Madame, Monsieur, bonsoir. Pour la cinquième année consécutive, les meilleurs pilotes de kart et de Formule 1 se retrouvent ici au Palais Omnisports de Paris-Bercy pour ce Master de Kart Indoor. Après Senna, Prost, Schumacher, Bercy accueille une nouvelle fois le champion du monde en titre de Formule 1, Jacques Villeneuve. Bonsoir Jacques. Alors, vous n'avez pas défailli à la présence du champion du monde en titre. Vous êtes ici à Bercy pour l'un des grands rendez-vous, l'un des spectacles attendus à Paris de ce kart. Bah oui, je voulais venir les autres années, mais on en avait toujours du travail à faire pour l'équipe, soit des essais, soit des journées médiatiques. Et là, ça tombait très bien. À la différence de Prost, de Senna ou de Schumacher, vous n'êtes pas issu véritablement de la filière kart, mais pourquoi êtes-vous venu? Pour le plaisir quand même de courir sur un kart. C'est vrai, j'ai débuté directement en Formule 3, donc j'ai pas fait de kart avant. C'est pour m'amuser, je suis venu ici pour m'éclater. Je cours avec quelques potes, il y a Patrick Lemarié, Mika Salo et Jimmy Vaster qui est venu des États-Unis aussi. Et pour m'amuser parce qu'il y a une bonne ambiance. Vous êtes préparé un peu pour cette soirée? Vous avez couru un petit peu sur un kart ces dernières semaines? Non, juste hier matin, hier soir, peut-être une petite heure pour s'habiller au kart. Bon, on vous souhaite en tout cas une bonne soirée ici à Bercy et puis bonne chance. Nous allons vous suivre tout au long de cette soirée. Pour le moment, nous allons retrouver Éric Gendry et Patrick Damary donc pour les qualifications de ces demi-finales de kart ici à Bercy. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Nicolas, bonsoir Patrick Damary. Et vous pénétrez dans cette enceinte du Palais Omnisports de Bercy, qui est, comme c'est le cas chaque année, archi-comble ce soir. La présentation, le show vient d'avoir lieu. Le show, c'est-à-dire la présentation des pilotes. Et vous voyez que ici, c'est très à l'américaine. On est habitué à cette ambiance, Patrick, avec ses pom-pom girls. Et c'est vrai qu'on est ravis chaque année de retrouver ce spectacle de karting à Bercy. Et oui, chaque année, la magie se reconduit. Et cette année encore, c'est plein de monde, c'est plein de spectacles, plein de musique et de vedettes. Voilà, des vedettes et notamment des vedettes de la Formule 1. Alors, la formule est un petit peu différente. Vous savez que chaque année, on change un petit peu de formule ici. Cette année, Patrick, il y a trois catégories qui ont été déterminées. Il y a les pilotes de Formule 1, il y a les célébrités. On vous expliquera un petit peu plus de quoi il s'agit. Et puis, il y a les vrais pilotes de kart. Donc, trois catégories, ça va aider à la compréhension générale de la soirée, je pense. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus une confrontation directe entre chaque genre, si je peux m'exprimer ainsi, mais trois courses en elles-mêmes avec une course de karting entre les meilleurs spécialistes français et les meilleurs spécialistes mondiaux, une course des anciennes gloires du sport automobile et une course des pilotes de Formule 1 actuellement en activité ou qui vont le devenir, comme on l'espère David Thérien ou Jean-Christophe Ravier, qui sont des champions du monde de karting, qui sont issus de notre sport. On note aussi la présence cette année de 13 anciens champions du monde de karting, c'est un record. Alors il y a, on disait, des Français, mais il y a aussi des gens comme Vincent Orsini qui est présent, des gens comme Danilo Rossi, des gens comme Peter Kuhn qui fait partie des célébrités, qui avait été champion du monde de karting en 1979 devant le grand Ayrton Senna. Alors vous l'avez vu en compagnie de Nicolas Rostov, évidemment le porte-drapeau de cette soirée, ce sera, comme c'était le cas les années précédentes, le champion du monde en titre de Formule 1, Jacques Villeneuve. Mais il y a, pour parler de ceux qu'on appelle pilotes de Formule 1, qui ne sont pas tous des pilotes de Formule 1 d'ailleurs, il y a quand même deux personnages très, très intéressants et qu'on n'a pas l'habitude de voir ici à Bercy. L'un est italien, il est champion de la série américaine kart, qui est l'équivalent américain de la Formule 1. Il s'appelle Alessandro Zanardi, il est italien et il vit à Monaco. Et il y a également présent ce soir à Bercy, et ça c'est pas une surprise, mais on l'a su très tard, ça s'est fait au tout dernier moment. Il y a le vainqueur 1996, c'est-à-dire l'an dernier, de cette série kart, Jimmy Vaster. Je pense qu'on va tout de suite aller dans le paddock, retourner voir un peu ce qui s'y passe alors que le spectacle continue de se dérouler. Donc Jimmy Vaster qui, comme je vous le disais, avait été champion kart en 1996. Nous voici à l'intérieur du paddock de Bercy. Ce paddock est installé dans une salle attenante à la grande salle du Palais Omnisports. Et c'est là qu'on s'aperçoit, Patrick, c'est drôle d'aller traîner dans le paddock, car on s'aperçoit que tous les pilotes, quel que soit leur niveau, quel que soit leur talent, prennent cette course avec énormément de sérieux. On s'en rend compte sur ces images. Oh oui, tout à fait. Et notamment les pilotes de karting, il faut savoir pour eux, c'est une véritable fête. C'est Noël avant l'heure d'être à Bercy chaque année. Il y a au milieu de ces champions du monde de karting des gens comme Marc Florence, à qui je souhaite dire un petit bonjour ce soir, qui est le champion de France ICA, c'est-à-dire la catégorie juste avant la Formule 1, et pour lui c'est magnifique d'être là ce soir.
Oui, Nicolas, Eric, oui, en compagnie d'un ancien champion du monde de kart, David Terrien. David qui courra, je crois, ce soir avec les pilotes de Formule 1. Alors David, rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter ces kartes bien spécifiques à Bercy, puisque tous les pilotes ont quasiment la même carte, même si on joue bien évidemment sur les réglages. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les particularités de ce kart? Déjà tel qu'il est, pour tout le monde, et puis après les petits réglages qu'on peut y faire. Donc voilà, le kart, ça se compose de 4 roues, des pneustics d'une qualité de gomme assez tendre qui permet d'avoir beaucoup de grip. C'est un châssis tubulaire avec seulement deux pédales, accélérateur et frein. Donc le châssis est tubulaire, donc il permet une torsion, c'est ce qui fait un petit peu la suspension du châssis. Et puis on a aussi un moteur ici, donc un moteur 100 cm3 avec embrayage, donc qui permet d'être un petit peu plus à l'aise dans les petits virages de Bercy, donc avec tout un ensemble de freinage assez simple spécifique au kart. Et puis ce qu'on règle ici à Bercy, c'est la largeur des voies avant, donc on a ici des toutes petites bagues qu'on peut régler, qu'on peut ajuster. Et puis on règle aussi la largeur des voies arrière, donc on peut élargir ou rétrécir les voies arrière. Et puis on peut aussi modifier la position du baquet, mais ça c'est pour un petit peu plus tard. Vous qui êtes un habitué de Bercy, le fait que les meilleurs pilotes de Formule 1 viennent, même ceux qui n'ont pas débuté dans le kart, comme Jacques Villeneuve cette année, comment réagissez-vous face à des duels comme cela entre les pilotes de Formule 1, pilotes de kart, qui ont débuté en kart ou qui n'ont pas forcément débuté en kart? Comment se passe cette cohabitation? Je trouve déjà que c'est très très courageux de la part d'un pilote comme Villeneuve qui n'a jamais fait de kart, de venir se mesurer à des champions du monde de kart, parce qu'il faut savoir que moi ça a été presque mon métier à un moment, puisque j'en faisais tout le temps. Et lui, en n'ayant jamais fait, c'est déjà courageux de venir se mesurer au pilote de kart. Bon, après, il faut savoir que la course, ça reste un spectacle. Donc on va essayer de faire le spectacle. Il y a le public qui a l'air assez chaud, donc on va essayer de mettre ambiance. Et puis, il y a des pilotes qui ont beaucoup d'expérience en kart parmi les pilotes de F1. Donc avec eux, je pense que ce sera possible de jouer le jeu vraiment de la bagarre, fair play, mais aussi pour faire le spectacle, quoi. Merci David, on vous suivra tout à l'heure. Eric, d'ailleurs, je crois qu'il y a même 13 champions du monde de kart ou anciens champions du monde qui sont présents à Bercy, ainsi que les 3 anciens vainqueurs du circuit américain de IndyCart que nous aurons tout à l'heure avec nous. C'est vrai Nicolas, c'est vrai qu'il y a un superbe plateau ce soir au Palais Omnisports de Paris-Bercy, alors que vous continuez de découvrir un petit peu ce qui se passe normalement loin du regard des caméras dans le paddock du Palais Omnisports de Paris-Bercy. Je vous propose de découvrir, si vous le voulez, ce qui va être un petit peu le clou de la soirée, ou du moins ce qui va être l'origine de tout, à savoir cette piste du Palais Omnisports de Paris-Bercy. La voici Patrick, et on va la commenter, elle est assez semblable finalement à celle des années précédentes. Oui, une épingle à droite suit une épingle à gauche pour commencer, la grande courbe parabolique à gauche devant le public, ensuite un pif-paf qui entre dans les coursives, là on est dans la partie cachée du public, les coursives avec une arrivée en lumière devant la ligne d'arrivée. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous aurez remarqué sur ce petit croquis que nous a proposé Jean-Louis Machu, que la ligne d'arrivée était juste après une épingle, et sur cette épingle qui fait suite à la longue ligne droite des coursives, eh bien il y aura un gros freinage, il y a une zone manifeste de dépassement à cet endroit-là, donc c'est dire que la ligne d'arrivée qui est placée juste derrière va certainement nous occasionner un spectacle maximum, Patrick. Oui, c'est un circuit approprié au spectacle, alors que nous voyons les images de la préparation de la course. Là, c'est le kart de Christophe Vasseur, le kart de secours, qui est pas monté. Et les mécanos le mettent de côté. Et demain, il sera peut-être utilisé. Oui. Voilà, il faut, ça dénote d'ailleurs le sérieux avec lequel tous les concurrents prennent cette épreuve de Bercy. Je crois qu'on va retourner dans le paddock, rencontrer Nicolas Rodkoff. Nicolas, vous êtes en compagnie de Philippe Alliot, c'est oui, ça? Oui, tout à fait, ancien pilote de Formule 1 et lui aussi habitué de ce Master de Kart Indoor de Bercy. Il revient, je suppose, chaque année avec plaisir pour retrouver ses anciens coéquipiers, ainsi que tout le milieu et le gratin du sport automobile qui vient chaque année ici au Palais Omnisports de Paris-Bercy. Cette année, le champion du monde est là. Et comme le disait David Terrien tout à l'heure, c'est vrai que c'est une bonne surprise de le voir présent ici. Lui qui n'a pas, comme Prost, Senna ou Schumacher, débuté dans le kart. L'année dernière, il y avait Schumacher. Cette année, il y a Villeneuve. On peut regretter peut-être qu'il n'y ait pas Schumacher et Villeneuve. Mais ceci dit, tous les superlatifs, on peut les utiliser. C'est un week-end formidable pour nous tous. Ça permet d'abord de se retrouver. Et puis en plus, aller de s'amuser sur un karting. C'est à la portée de n'importe qui, le karting, vous savez. On s'amuse comme des petits fous, même nous, quand on a fait de la Formule 1. Et je dis ça pour les gens qui veulent se perfectionner tous les jours. C'est vraiment un truc formidable. Et donc voilà, on est pour un week-end ici vraiment décontracté, convivial, pour s'amuser. Et quand même avec un peu de compétition, car on va voir pendant les courses, on ne se fait pas de cadeaux quand même. Vous l'avez vu avec Schumacher à Jerez, quand on a un casque, on n'est plus le même. On
on est gentil comme ça, mais dès qu'on est derrière un volant avec le casque, parfois on est différent. Et c'est sûr que là, même si c'est pour s'amuser, ça va être la guerre sur la piste. Vous qui avez fait toutes les éditions de ce karting indoor, est-ce qu'il y a des évolutions au niveau des pilotes? Maintenant, on se prépare, on a ces petites habitudes. Est-ce qu'on a amélioré sensiblement la qualité au niveau course et au niveau des karts pour ce parcours et cette surface spécifique de Bercy? Complètement, parce que Bercy, maintenant, c'est un classique. C'est l'endroit où on vient par invitation, donc c'est très prisé de la part de tout le monde. Et maintenant, les types, 15 jours avant, 3 semaines avant, ils vont tous s'entraîner, ils viennent ici, ils sont affûtés, ils savent ce que c'est vraiment que la conduite d'un kart, etc. Alors qu'au début, il y avait beaucoup de pilotes qui n'avaient pas démarré par le karting, etc. Maintenant, c'est vraiment le must de l'année. Les pilotes attendent Bercy, attendent la fin de l'année pour venir à Bercy. Et donc, c'est vrai que tout le monde est préparé. Et le spectacle est très beau parce que tout le monde conduit très, très bien. Alors, je ne sais pas si Jacques Villeneuve a vraiment beaucoup, beaucoup roulé comme l'avait fait Schumacher les autres années. On verra tout à l'heure sur la piste. Vous, en tout cas, ça se passe plutôt bien puisque je crois que vous avez fait le deuxième meilleur temps. Vous allez être dans la demi-finale en première ligne. Oui, je vais partir en première ligne. Mais vous savez, moi, j'ai jamais démarré par le kart. J'ai en fait fait du kart après la F1, comme quoi tout arrive. Et puis, je le répète, aujourd'hui, on me proposerait de conduire la Williams ou d'aller avec des copains faire un week-end de karting. Je choisis le week-end de karting parce qu'on s'amuse comme des petits fous. Alors, voilà, j'ai bien progressé en kart. Je suis content. Maintenant, je vais essayer de faire ce que j'ai jamais fait, c'est gagner dans ma catégorie à Bercy. Voilà, on vous souhaite bonne chance. Merci Philippe, à tout à l'heure. Et Philippe qui a évoqué effectivement une des questions que beaucoup de gens se posent, à savoir pourquoi Michael Schumacher n'est pas là. La réponse est assez simple. Michael Schumacher, après l'incident de Jerez, a effectivement immédiatement pris la décision, Patrick, de ne pas venir à Bercy. Il avait peur probablement de l'accueil que lui réserverait le public. Oui, peut-être bien, parce que c'est vrai que sur cette action, je ne pense pas qu'il se soit rendu très populaire. Et aujourd'hui, sa présence aurait été pour moi et pour le sport quelque chose de formidable, mais peut-être que le public aurait peut-être tué Michael Schumacher, ce qu'il ne mérite pas sur l'ensemble de son œuvre. Oui, et Jacques Villeneuve, hier ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy, a donné une conférence de presse, et évidemment la question lui a été posée de savoir s'il serait venu si Schumacher avait été là, et la réponse de Jacques Villeneuve a été catégorique. Non, je ne serais pas venu si Schumacher était là. Là, je suis là pour m'amuser avec des copains. S'il y avait eu Schumacher, ça aurait été tout de suite complètement différent. Ça aurait été la bagarre, ça aurait été la course. Oui, parce que je pense que même si le Master Karting de Bercy est un spectacle, c'est aussi une course, parce qu'un pilote est un pilote, et comme a dit Philippe Alliot, dès qu'il met un casque et qu'il est au volant d'un engin de compétition, c'est la guerre. Et je pense qu'on a affaire à des gens francs et des gens qui reconnaissent vraiment qu'ils sont là pour gagner, pour se battre. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui Michael Schumacher et Jacques Villeneuve soient de grands amis, ils le seront peut-être dans 4 ou 5 ans. Oui, et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la manière dont les séries ont été réparties. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez entendu David Terrien s'exprimer, et David Terrien va courir ce soir avec les pilotes de Formule 1 en activité, ou du moins les pilotes qui courent dans des disciplines importantes, des disciplines reines comme le kart. Et David Terrien va se mesurer, ainsi que Guillaume Gomez, à tous ces pilotes. Et c'est intéressant, ce conflit de génération. On va tout de suite retourner dans le paddock, Nicolas. Oui, Eric, nous le disions en début de retransmission, il y a beaucoup de beau monde ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Et l'un des pilotes qui est à mes côtés est un grand champion, Alessandro Zanardi. Champion en titre en IndyCar cette saison. Il a souhaité lui aussi venir. Les trois derniers champions du championnat américain, un petit peu l'équivalent de la Formule 1 aux États-Unis, d'où vient également Jacques Villeneuve, sont ici à Bercy. Alessandro, vous avez souhaité venir vous aussi dans cette grande fête du kart à Bercy. Well, merci beaucoup pour m'avoir appelé bon monde. Ça, c'est une manifestation très sympathique. Je suis très heureux d'être ici. Alors, je vais chercher de m'amuser, mais aussi d'avoir un bon résultat si c'est possible. Sinon, au niveau de la saison, une belle victoire dans le championnat kart. Quels sont vos objectifs? Vous allez continuer en kart? Oui, précisément. J'ai fait une autre saison avec la même écurie de Chip Ganassi. Ensemble encore avec mon coéquipier Jim Vasseur. Alors, nous allons essayer de faire un autre championnat. C'était déjà un résultat fantastique pour l'écurie, parce qu'elle a gagné le championnat avec Jimmy Vasseur en 96 et cette année avec moi. Alors, ce sera vraiment difficile. Il y a des compétiteurs qui sont vraiment très très forts, mais on va chercher d'être plus fort que les autres.
Vous qui avez connu la Formule 1 et l'IndyCar aux États-Unis, il y a beaucoup de différences entre les deux. On a autant de plaisir à être dans l'une ou dans l'autre des compétitions. Bon, je dois dire, oui, il y a beaucoup de différences. Aussi, si la voiture elle est très similaire, mais nous avons un peu plus de puissance. La voiture, c'est un peu plus lourde, mais aussi là, je pense que la différence principale, c'est que nous courons aussi dans le circuit oval. Et ça, c'est vraiment difficile, mais c'est tout une autre chose pour les rapports avec le public. Le pilote, il est vraiment les stars de show, pas comme une Formule 1 où la compétition, spécialement technique, c'est la chose plus importante. Le pilote, il est plus qu'en particulier de la voiture. Alors ça, c'est vraiment fantastique pour un pilote comme moi qui n'a pas connu un grand succès ici en Europe. Il a eu beaucoup de chance dans les États-Unis. Alors j'espère d'avoir encore des autres satisfactions. Merci Alessandro et on vous souhaite bonne chance pour cette soirée ici à Bercy. On vous retrouvera tout à l'heure. Il y a d'ailleurs une anecdote sur la présence ici de Jimmy Vasseur qui est moins connu. Alessandro Zanardi est connu du public européen pour avoir disputé plusieurs saisons de Formule 1. En revanche, Jimmy Vasseur est un pur produit américain qui n'a jamais couru en Europe. Il est californien. Et pourquoi Jimmy Vasseur est-il présent ici? Eh bien, c'est anecdotique, mais c'est sympa et ça en dit long sur la camaraderie entre ces pilotes. C'est que Jacques Villeneuve était en vacances chez Jimmy Vasseur en Californie il y a quelques semaines. Alessandro Zanardi, au même moment, se trouvait également en vacances chez Jimmy Vasseur. Et ils ont discuté entre eux. Et comme Zanardi et Villeneuve disaient tous les deux qu'ils iraient au karting de Bercy, et Vasseur a dit, eh bien, pourquoi pas moi au karting de Bercy? Il a appelé Philippe Streff et il a dit, je voudrais venir à Bercy, évidemment. Philippe ne s'est pas fait prier. Voilà, pour Zanardi, j'aurais voulu dire quand même qu'en Europe, il avait bien réussi en karting, puisqu'à ce jour, il reste le seul pilote de l'histoire. C'était en 1987, avoir remporté les 4 Grands Prix du Championnat d'Europe de karting. Sandro avait gagné les 4 courses, et c'est un exploit qui restait unique à ce jour et inégalé. Voilà, on entre maintenant dans le vif du sujet avec la première demi-finale dans la catégorie des célébrités avec le pilote numéro 27 que vous voyez sur la première ligne, c'est Yann Lammers, le néerlandais, très léger, donc très avantagé dans le karting. Ces célébrités, il y a 10 pilotes, il y en a 20 en tout, 2 demi-finales de 10 pilotes chacun et les 5 premiers d'entre eux seront qualifiés pour la finale, les 5 autres seront qualifiés pour le repêchage. Alors il y a Yann Lammers, il y a également Beppe Gabbiani, Jean-Marc Gounon, voilà, avec Franck Lagorce, et puis avec le numéro 25 également, on a vu Yvan Capelli, ancien pilote de Formule 1. J'ai aperçu Peter Kuhn, le numéro 24, l'ancien champion du monde de karting, qui, après avoir été il y a une dizaine d'années apparemment, a gardé quelques réserves. Sur la première ligne, vous voyez la grille s'incruster. Sur la première ligne, donc, Yann Lammers avec le numéro 27 et Beppe Gabbiani avec le numéro 28. Sur la deuxième ligne, Jean-Marc Gounon et Yvan Capelli, deux anciens pilotes de Formule 1. Peter Kuhn et Arturo Mezzario, Alboreto et De Villota et Jean-Pierre Jarier qui ferment la marche. Cette grille a été déterminée, Patrick, il faut le rappeler, par les essais qui ont eu lieu cet après-midi. Voilà, Jean-Pierre Jarier doit aujourd'hui participer à la première course de karting de sa vie. Jean-Pierre qui est venu là par amitié et qui a été un très grand pilote de Formule 1, un pilote qui malheureusement n'a jamais gagné un Grand Prix, mais qui a fait, je crois, bon nombre de kilomètres en tête. Voilà. On se rappelle de la saison 79, où il a piloté la Lotus en fin d'année. Et le voilà, Jean-Pierre. Jean-Pierre qui a été particulièrement malchanceux. Aujourd'hui, il court en Porsche Cup. Voilà donc cette grille de départ que les speakers de Bercy sont en train de présenter au public. Vous voyez sur ce plan au ras du sol que les tribunes sont archi-combes. Et ça, c'est, j'imagine, une grosse source de satisfaction pour Philippe Streff. Attention au départ de cette première demi-finale de la soirée. Sur la gauche de votre écran, c'est Yann Lammers. Sur la droite, il a disparu, c'est Beppe Gabbiani. Et Jean-Marc Gounon a pris un très bon départ. Et Lammers, c'est Lammers qui a pris le meilleur départ. Et Gounon est en deuxième position à la bagarre avec Gabbiani. Mais Gabbiani réussit à conserver sa deuxième position. Et Lagorce, l'occasion. Oui, et également Capelli qui est bien parti apparemment. Capelli en troisième position maintenant derrière Gabbiani et derrière Lammers. Donc pour l'instant en tête Lammers, deuxième Gabbiani, troisième Capelli, quatrième Jean-Marc Gounon. Jean-Marc Gounon qui vient de passer Franck Lagorce là. Oh là là, ça s'explique, Jean-Marc Gounon est dans les fascines, il vient d'abandonner.
Oui, là il y a eu quelque chose qui s'est passé effectivement. Et pour l'instant, eh bien, le trou est en train de se faire. Lammers et Gabbiani sont tous les deux en train de creuser l'écart. Et Gabbiani est passé en tête. Bébé Gabbiani, Bébé Gabbiani prend la tête devant Yann Lammers. Et puis il y a un gros trou derrière. C'est vrai que la sortie de Jean-Marc Gounon dans les coursives a permis aux deux hommes de tête de partir loin devant. Troisième position, on trouve Capelli. En quatrième position, c'est Keun. En cinquième position, Alboreto, vice-champion du monde 1985. Attention à l'attaque. Oui, c'est oui. Superbe attaque de Capelli qui passe en deuxième position maintenant derrière Gabbiani. Lammers, j'ai peur que Lammers ait un problème. Il est en train de perdre des places. Et pour l'instant, donc, Gabbiani, à la poursuite duquel vient de se lancer Capelli en deuxième position. En troisième position, Lammers toujours. En quatrième position, Keun. Keun est passé devant Lammers d'ailleurs. Capelli qui a le meilleur temps. Capelli qui avait remporté la Coupe du Monde Junior au Creusot dans les années 80. Après une fabuleuse bagarre avec Eric Bernard. Et Yvan Capelli est à le record du tour en 31-66. Et Peter Kuhn vient de s'emparer de la troisième position. Il a pris la troisième position au détriment de Lammers qui apparemment a un problème. Et attention, il faut suivre cette bagarre en tête de la course effectivement, car apparemment Capelli est plus rapide que ne l'est Gabbiani. L'attaque pourrait se passer à cet endroit-là, ce freinage de l'épingle dans les coursives. Il y a deux gros freinages dans les coursives sur lesquels il est possible de porter une attaque. Et pour l'instant, eh bien, Gabbiani continue de préserver sa première place. Capelli est toujours deuxième. Oui, Capelli vient d'améliorer de 2 dixièmes son meilleur temps. Il est en 31-4, il a le record du tour et il l'améliore sans arrêt. Alors on va voir si ça va se concrétiser par une attaque très prochaine. En tout cas, derrière, Peter Kuhn et Yann Lammers se sont un petit peu décrochés. Ils ne devraient pas, ni l'un ni l'autre, sauf accrochage entre les deux hommes de tête, ils ne devraient pas ni l'un ni l'autre se mêler à la bagarre de tête qui devrait se résumer à un duel. Alors que vous voyez que devant, on a vu Jean-Pierre Jarier. Ça veut dire que les deux hommes de tête vont prendre un tour à Jean-Pierre Jarier. C'est vrai que Jean-Pierre Jarier est très en difficulté, il n'a pas l'habitude du kart et puis il a quand même un excédent de poids qui est incorrigible en kart, oui. Qui est irrémédiable. Hein. Irrémédiable, alors que Yann Lammers a retrouvé un petit peu de sa superbe puisqu'il se croyait le meilleur tour en course. Et c'est Jarier qui a gêné un petit peu tout le monde. Mais les positions sont restées les mêmes avec Gabbiani en tête devant Capelli. Mais ça a permis en tout cas à Keun de se rapprocher ainsi que Lammers. Capelli a pris la tête. Et Gabbiani repasse. Les deux hommes côte à côte. Et Keun en profite, je pense, pour subtiliser la seconde place. Non. Et Gabbiani toujours en tête. Gabbiani a repris la tête, Capelli est deuxième, mais ça c'est très très chaud entre les quatre hommes de tête, là tout peut se produire, regardez Lammers c'est dans le coup également. Gabbiani qui élargit bien sa trajectoire de manière à passer Yvan Capelli à l'extérieur. Oh, une fabuleuse attaque de Peter Kuhn qui a subtilisé la seconde place à Capelli. Et Lammers passe aussi, hein. il a perdu 2 places en l'espace d'une dizaine de mètres, Yvan Capelli. Et ça a permis tout ça à Gabbiani de creuser un petit écart alors que les pilotes rentrent dans les coursives pour la 8e fois. Alors les propos de Philippe Pagnot prennent toute leur valeur, c'est correct mais c'est la guerre. Hein. Lammers est repassé deuxième, non, il est à la bagarre avec Keun. Oui, Lammers passé en deuxième position derrière Gabbiani. Keun est troisième et Capelli vient de lui subtiliser la troisième place. Yvan Capelli repasse en troisième position à 5 tours de l'arrivée. Alors que devant Bébé Gabbiani, c'est maintenant bien détaché. On ne voit pas ce qui pourrait maintenant inquiéter le pilote italien. Oui, Emilio Villotta est cinquième et je pense que c'est le dernier qualifié d'office. Ils sont tous les 5 dans le même tour. Alors donc les 5 qualifiés sont déjà connus, sauf incident. Oui, car derrière il y a un très très gros écart. Puisque Alboreto, qui est 6e, est à 15 secondes de Demi Lotta. Attention à Capelli qui est en train de se rapprocher de Gabbiani, j'ai l'impression. De Lammers, pardonnez-moi. De la 2e place, détenue actuellement par Yann Lammers. Surveille, petit coup d'œil derrière pour surveiller une éventuelle attaque de Peter Kuhn. Yann Lammers qui reste l'homme le plus rapide en piste depuis le début de cette course.
et Yann Lammers qui vient de pulvériser son propre record en 39.50. Yann Lammers est très très vite, il confirme son meilleur temps aux essais et il se rapproche à une petite seconde de Gaviani. Je pense que ça va être un peu dur puisqu'il reste 3 tours. Yann Lammers qui apparemment il s'est un petit peu loupé là, ça a permis à Capelli de revenir juste derrière lui. Peut-être que Capelli va être en mesure de porter une attaque pour s'emparer de la deuxième place, alors que devant, Gaviani a creusé l'écart et la victoire ne devrait pas maintenant lui échapper. On surveille cette bagarre pour la deuxième place. Attention, non, il a bien fermé la porte en prenant sa corde très tôt. Le néerlandais Yann Lammers. Ça peut se jouer dans les coursives à ce freinage. Il est un petit peu loin, Capelli. Non, il ne va rien tenter. Les trois pilotes sont groupés. Peter Kuhn reste en embuscade derrière eux. Non, il ne s'est rien passé. Voilà, donc l'épée Gaviani s'impose. Yann Lammers termine en deuxième position. Troisième position pour Yvan Capelli. Quatrième position pour Peter Kuhn. Et cinquième position pour Emilio De Villota. Voilà les cinq hommes qui, pour l'instant, sont qualifiés pour la finale de la catégorie dite des célébrités. Oui, une superbe course et une superbe leçon de sport pour ces célébrités qui ont vraiment joué le jeu et qui ont fait de très nombreux dépassements. Jean-Marc Gounon en train de rentrer au stand juste devant nous. On revoit ce dépassement superbe de Capelli, un moment où il s'était emparé du commandement. Le voilà, Jean-Marc Gounon, avec la combinaison qu'il a portée toute l'année dans le cadre du championnat GT, où il partageait, vous le savez, le volant d'une McLaren avec un autre Français, Pierre-Henri Raffanel, que l'on va voir. Et puis là, belle passe d'armes entre Gaviani et Lammers. Michele Alboreto, vice-champion du monde de Formule 1 1985. Et voilà donc, après 12 tours, le classement de cette première demi-finale des célébrités. Les 5 premiers, Gaviani, Lammers, Capelli, Kuhn et De Villota, sont qualifiés pour la finale qui aura lieu plus tard dans la soirée. Et on va passer après à la catégorie suivante, où là, on va voir les grand pilote, oui, puisque ça va être la première demi-finale de ce qu'on appelle, Patrick, le Master. Le Master. Eric. Oui, Nicolas. Oui, aux côtés de Jean-Marc Gounon. Alors Jean-Marc, qu'est-ce qui s'est passé après les essais? Vous étiez plutôt bien placé. Problème au démarrage? Oui, accrochage à la sortie de l'épingle. J'ai dépassé par l'extérieur Capelli, il m'a mis un goudreau. Il m'a monté sur les bordures, donc j'ai tordu le train avant. Mais bon, il va falloir regarder le repêchage parce que je vais assurer quelque chose de bien. Merci, bonne chance. Dans cette première demi-finale du Master, vous l'avez vu, il y aura Alessandro Zanardi, il y aura également Luca Badoer, l'Italien. Mika Salo, que l'on vient de voir. Et puis avec le numéro 2, il y aura donc Alessandro Zanardi, on l'a déjà vu. Luca Badoer, Mika Salo. Ça, ce sont les hommes qui se sont montrés les plus rapides lors des essais. Ça n'est pas une surprise de voir que Mika Salo est rapide. On se souvient, et vous les avez vus d'ailleurs dans le générique de début de cette soirée, le tonneau de Mika Salo ici même à Bercy il y a 2 ans maintenant avait été un des moments les plus spectaculaires de toutes les éditions de ce karting de Bercy. On sait que Mika Salo va très très vite en karting et il l'a prouvé lors des essais. Les pilotes sont dans le tour de formation. Emmanuel Collard aussi sera au départ de cette course. Jean-Christophe Ravier qui a eu quelques difficultés au chrono et qui fermera la marche sur cette grille. Et il m'a semblé apercevoir en fond de grille également Patrick Lemarié qui est assez mal placé sur la grille. Ce qui est étonnant puisque Patrick Lemarié est un des Français qui va le mieux en karting. Il pratique énormément le karting. Et une première ligne, c'est lui Patrick Lemarié. Voilà, Mika Salo, Sandro Zanardi. En première ligne. Il y a également Norberto Fontana dans cette demi-finale avec le numéro 11. Lui, c'est Mika Salo, l'homme qui est en pole position. À ses côtés, c'est Alessandro Zanardi, le champion IndyCar 1997. Voilà la grille qui va défiler sur votre écran dans ce casque qui ouvrait la visière et que vous proposait Jean-Louis Machu.
Mika Salo et Zanardi en première ligne, Badoer et Johnny Herbert en deuxième ligne, Fontana, Collard, troisième ligne, Lagorce, Le Marié, quatrième ligne, Marquez, Ravier, cinquième ligne, Jean-Christophe Ravier, qui est à une place évidemment inhabituelle pour lui, lui qui a été champion du monde de kart l'an dernier. Oui, il m'a confié qu'il avait eu quelques problèmes techniques aux essais, mais Jean-Christophe avait le moral pour franchir le premier cap ce soir et pour arriver à rentrer dans les cinq premiers. Je pense qu'il en a les capacités. Si la mécanique lui donne satisfaction, il ne devrait pas trop avoir de problème. Le directeur de course envoie les moteurs et le départ est imminent. Et comme pour les célébrités, eh bien les cinq premiers seront qualifiés d'office pour la finale. Les cinq autres iront dans le repêchage. Voilà. Attention au départ. Et c'est parti. Excellent, excellent départ de Lucas Badoer. Oh là, Badoer qui est passé. Non, il n'a pas pu passer. Il y a Bondy en tête, Zanardi, Salo, Badoer. Badoer en troisième position et en quatrième position. Oh là là, Patrick Le Marié derrière, on ne l'a pas vu, mais Patrick Le Marié a failli s'accrocher derrière au fond du peloton dans la courbe ultra rapide, cette parabolique. Nino Fontana qui a pris un bon départ, il est quatrième. Fontana est quatrième. Zanardi qui essaye de creuser l'écart, Herbert suivi par Salo. Cinquième. Badoer en troisième position. Fontana en quatrième position, Herbert cinquième et Franck Lagorce en sixième position. Septième Emmanuel Collard, huitième Tasso Marquez, Jean-Christophe Ravier et Patrick Le Marié. Et Patrick Le Marié qui a passé Jean-Christophe Ravier qui visiblement n'a pas résolu ses problèmes en début de course. Cette demi-finale du Masters se déroulera sur 12 tours. Comme c'était le cas pour la demi-finale des célébrités, il est en train de creuser l'écart, Zanardi. Et Zanardi qui est déjà en 30 secondes. Ah non, Badoer vient de faire le retour du tour en 36-20. Des temps excellents apparemment. Badoer qui se rapproche donc de Mika Salo. Oui, il est en train même de faire la jonction alors voilà. Que Zanardi a creusé un petit trou, c'est assez net. Et c'est la bagarre effectivement pour la deuxième place entre Salo et Badoer qui va être intéressante. Et puis derrière, il y a également de la bagarre juste derrière pour la quatrième place, une bagarre entre Fontana et Herbert. Et Herbert est passé devant Fontana. Et Lagorce et Alain Buscade, c'est assez chaud et je pense que ça va se décanter très prochainement. Et on retrouve la course avec en tête Zanardi, deuxième Salo, troisième Badoer, de plus en plus près de Salo. Et une bonne nouvelle, le meilleur temps d'Emmanuel Collard en septième position. Manu qui va devoir travailler dur pour entrer dans les cinq premiers. Ah, superbe sortie, superbe freinage de Badoer. Il a essayé d'intimider Mika Salo, ça n'a pas marché. Herbert est maintenant derrière ces trois hommes. Fontana est cinquième et Manu Collard est sixième. Et Manu Collard a passé Franck Lagorce. Et pendant ce temps, Alessandro Zanardi s'est octroyé le meilleur tour en course. Zanardi en tête, mène la danse et impose son rythme à ses poursuivants. Alors ce qu'il faudrait pour Emmanuel Collard, eh bien, c'est qu'il gagne une place. C'est-à-dire qu'il arrive à passer Fontana, ce qui lui donnerait la possibilité d'être qualifié pour la finale. Et Manu, on a les possibilités puisqu'il est dans les roues de Fontana et pas très très loin d'Herbert. Salo qui résiste toujours à Badoer avec beaucoup de métier d'ailleurs, il ferme toutes les portes là où il faut les fermer. Ce qui fait le jeu de Sandro Zanardi qui mène une course sage et tranquille. Il ne force pas son talent, Zanardi. Herbert et Collard derrière, on vous dit. Et bien, Nino Fontana fait une très belle impression aujourd'hui pour quelqu'un qui découvre Bercy, qui n'a pas été. Un pilote de karting à l'échelon international, il se défend fort bien et très correctement. Et toujours cette bagarre entre Salo et Badoer. Salo qui s'est donné un petit peu d'air là par rapport à Badoer et qui peut-être est-ce une impression, mais j'ai l'impression que Salo est en train de se rapprocher de Zanardi. Oui, c'est étonnant, d'autant que Lucas Badoer est à présent le pilote le plus rapide en piste. Le record du tour change de main sans arrêt. Et je vous annonce que Emmanuel Collard vient de passer en cinquième position devant Norberto Fontana.
Emmanuel Collard en position pour l'instant de qualifier pour la finale. Oui, oui. C'est Franck Lagorce qui est cinquième, Manu est sixième. Je pense qu'il s'est passé un petit quelque chose. Il y a dû avoir quelque chose alors, parce que Lagorce était derrière Fontana et derrière Collard. Et oui, il a profité, je pense, d'une attaque d'Emmanuel sur Fontana. Et Manu qui est pour l'instant premier non qualifié. Et Fontana n'apparaît plus, puisque Patrick Lemarié est huitième et septième maintenant. Et Jean-Christophe Ravier, huitième. Marquez, neuvième. Et Fontana, effectivement, a dû abandonner quelque part sur le circuit. Oui, on le voit passer au ralenti, là, le numéro 11. Voilà, la tête de la course avec toujours des écarts qui se stabilisent entre Zanardi, le leader, Salo, le deuxième, Badoer, le troisième, et Herbert. Je peux vous dire qu'entre Emmanuel Collard et Franck Lagorce, c'est la grande explication. Zanardi qui se bat, hein. C'est bien car c'est vrai que Zanardi ne roule pas régulièrement en kart. On sait qu'il il aurait dû participer à une épreuve de karting qui se déroulait à Monaco il y a un mois en gros, juste une semaine après la fin de la saison d'IndyCar. Et vous savez que lors de la dernière course de kart où il était déjà sacré champion, eh bien Alessandro Zanardi avait été victime de deux gros accidents aux essais. Et donc il n'avait pas pu participer à la course et du coup il avait déclaré forfait pour cette épreuve de karting de Monaco qui aurait pour lui constitué une bonne préparation pour Bercy. Donc il n'a pas beaucoup roulé et il arrive là et bien, tout de suite il est dans le coup et la preuve c'est qu'il va très probablement remporter cette demi-finale devant Mika Salo. Il est dans son dernier tour, Alessandro Zanardi. Il est dans son dernier tour et Mika Salo fait le forcing derrière lui alors que Luca Badoer, que l'on vient d'apercevoir, assure une troisième position. Il assure sa troisième place et il a bien raison. Et Lagorce s'est toujours qualifié cinquième. Victoire de Zanardi devant Salo. Troisième Badoer, quatrième Herbert, cinquième Lagorce et premier non qualifié Collard. Qui termine à la sixième position. La plus mauvaise place, mais enfin, je pense que lors du repêchage, Emmanuel Collard a de bonnes chances quand même de pouvoir accéder à la finale. Alessandro Zanardi qui remet sa machine en place. Bien belle prestation de Zanardi, hein, Patrick. Une très belle prestation et aussi une belle prestation de Mika Salo qui finalement a fixé le meilleur tour en course en 26 secondes 689. Mika Salo qui était un petit peu plus long à se mettre en route et qui finalement était très rapide en fin de course pour finir à une demi-seconde d'Alessandro Zanardi. Mais on doit saluer la victoire de Zanardi, toujours très propre, un pilote qui ne rajoute pas, qui contrôle parfaitement sa machine comme on le voit ici sur ce ralenti. Patrick Lemarié avec le numéro 17 au moment où il était en bagarre avec Tarso Marquez, le Brésilien. Vous voyez que ça, vous ne l'aviez pas vu dans le direct, ça valait le coup d'être montré. Regardez, Patrick pousse un petit peu Tarso Marquez. Et puis la bagarre entre Lagorce et Collard, bagarre importante puisqu'elle concernait la dernière place de qualifié. Oui, Nicolas. Oui, aux côtés de Franck Lagorce. Franck, quel duel avec Emmanuel et finalement vous obtenez cette cinquième place qualificative pour la finale. Oui, parce que en fait, on n'a pas beaucoup l'occasion de faire beaucoup de spectacles puisque c'est très raccourci. On a une manche pour se qualifier, après c'est le repêchage, après c'est les finales. Donc il faut essayer d'être performant le plus tôt possible. Et il fallait faire cinquième dans les cinq premiers pour pouvoir accéder directement à la finale, chose qui est faite. Et j'en suis pas mécontent. Comment est la piste? Comment est cette demi-finale? Il faut vraiment bien partir, à la fois prendre des risques, mais essayer d'éviter de se retrouver sorti dans les premiers tours. Vous savez, le danger vient surtout de l'arrière dans ces cas-là, parce qu'on ne sait pas du tout ce que les autres ont dans la tête. C'est un spectacle, tout est possible. Donc avant tout, c'est un show, et je pense que Elf et toute l'équipe de Streff, on sait faire ce qu'il fallait. Mais je pense que c'est un grand spectacle qu'on aura ce soir. Mais on ne sait pas du tout comment ça va se finir et comment ça peut jouer. Merci, à tout à l'heure. Et pendant que vous vous entreteniez avec Franck Lagorce, Nicolas, eh bien on a eu l'explication de ce qui s'était passé en ce qui concerne Norberto Fontana. Il s'était tout simplement accroché avec Emmanuel Collard. Il n'avait pas pu continuer, donc il est pour l'instant éliminé. Il participera au repêchage. Oui, voilà maintenant les... Oui, pardon, Patrick. Oui, je disais Marc Surer, Philippe Alliot, Pierre-Henri Raphaël et Paul Belmondo, donc défilent sous vos yeux. Ils composent les deux premières lignes de la grille de départ de cette deuxième manche des notoriétés. Voilà,
Marc Surer, dont on se souvient qu'il avait déjà pas mal figuré à Bercy ici, il me semble que c'était l'an dernier. Oui, Marc qui avait fait une belle prestation, qui est très liée avec une usine de karting suisse et qui roule régulièrement en karting. On aperçoit Jacques Lafitte avec son célébrissime numéro 26. Et son célébrissime casque vert foncé. Voilà. Et Bertrand Gachot qui est le numéro 36. Voilà, les concurrents de cette deuxième demi-finale des célébrités. Célébrité, le mot est impropre, hein, parce que en fait ça regroupe pour la plupart d'anciens pilotes de Formule 1 ou des gens qui ont été très vite dans d'autres disciplines du sport auto. Voilà, et Philippe Alliot, je dois vous dire que c'est quelqu'un qui pratique assez régulièrement le karting et qui court et qui s'entraîne avec un autre champion célèbre qui n'est pas là aujourd'hui, Christian Sarron. Ce sont des amis qui s'entraînent régulièrement et qui connaissent vraiment bien ce sport. Marc Surer, Philippe Alliot, Pierre-Henri Raffanel et Paul Belmondo en deuxième ligne, Bertrand Gachot et Jacques Lafitte en troisième ligne, Rupert Kigan et Henri Pescarolo sur ligne suivante et Babiallo. Fulvio Balabio, ancien pilote de Formule 2 dans les années 70. Qui fermera la marche. Pierre-Henri Raffanel. Vieux copain, Pierre-Henri Raffanel, qui cette année courait en GT. Il partageait le volant de la McLaren F1 dans la catégorie GT internationale avec Jean-Marc Boudon. Pierre-Henri Raffanel qui était champion de France de karting et qui a fini 6e au championnat du monde en 1981. Et en pole position, c'est Marc Surer qui est âgé de 46 ans et qui lui aussi a beaucoup couru en F1. Il avait disputé 82 Grands Prix en Formule 1, ce qui est assez énorme. Et avec le numéro 22 et ce casque vert clair, eh bien vous aurez reconnu bien sûr Henri Pescarolo, dont la couleur du casque est aussi célèbre que l'est celle du casque de Jacques Lafitte. Henri Pescarolo qui a débuté en compétition en karting l'an dernier ici même à Bercy. À l'âge de 50 ans. Voilà. Un très bon départ de Pierre-Henri Raffanel. Mais Philippe Alliot finalement garde la deuxième place alors que Marc Surer. Surer est parti en tête. A bondi en tête, voilà. Surer devant Alliot. Troisième position pour Raffanel. Belmondo est quatrième. Voilà, il a été assez chaud là entre Belmondo et me semble-t-il. Bertrand Gachot. Est resté, je crois, en tête à queue. Dans le virage. Et Surer boucle en tête le premier tour devant Alliot, Raffanel. Paul Belmondo. Attention à l'attaque de Raffanel. Il vient de passer en deuxième position derrière Marc Surer. Il vient de piquer la deuxième place à Philippe Alliot. Et Belmondo reste collé à ce groupe de trois hommes qui sont en train d'ailleurs de se détacher. Par rapport au reste du peloton. Et Jacques Lafitte qui est le dernier qualifié. On ne le voit pas à l'image. Et Raffanel tente une attaque sur Surer. Voilà Lafitte, cinquième. C'est bien pour Jacques. Lui ne connaît pas du tout le karting. Attention à une possible attaque de Raffanel sur Surer. Alliot reste dans le coup également. Et Paul Belmondo aussi. Ah oui, c'est la course la plus disputée là, qu'on a eu à voir depuis le début, avec quatre pilotes vraiment dans un mouchoir de poche. Et Paul Belmondo commence à avoir des velléités et voudrait s'emparer de la troisième place au départ de Philippe Alliot. C'est lui qui a réussi le meilleur tour. D'ailleurs, il vient de se le faire chipper par Bertrand Gachot, mais c'était lui qui était détenteur du meilleur temps sur un tour, Paul Belmondo. Bertrand Gachot qui, après son tête à queue, a la plus mauvaise place, celle de premier non qualifié. Attention! Oui. Attaque de Raffanel qui aurait pu profiter à Alliot, les deux hommes s'accrochent, mais Surer et Alliot est passé, j'ai l'impression, non. Non. Alliot reste troisième derrière Raffanel. Et Surer maîtrise bien, mais je pense que ça va être très dur. Mais c'est de plus en plus chaud là quand même. Ça va être très dur, oui. Et Paul Belmondo tente une attaque. Tête à queue pour Belmondo. Tête à queue pour Paul, c'est dommage, il faisait une superbe course. Paul qui perd sa place de qualifié là malheureusement. Ah oui. Au profit de Jacques Lafitte. Et attention à cette bagarre devant pour la première place. Raffanel n'est pas en mesure de porter une attaque sur air, a retardé son freinage au maximum. Derrière, en quatrième position, c'est maintenant Jacques Lafitte, mais qui est assez sensiblement détaché. Oui, notre ami Belmondo n'a pas pu repartir. Une
toujours arrêté là-bas dans l'épingle. Et attention à l'attaque de Raphaël qui est passée. Pierre-Henri Raphaël passe en tête. Marc Surer deuxième. Alio troisième, mais Alio très très menaçant également sur Surer. Il porte une attaque Philippe et ça passe. Non, ça ne passe pas. Ah non. C'est un petit peu fait fermer la porte, mais c'est Donger. Ça voilà. Reste très correct. Et Pierre-Henri Raphaël en profite, il s'est détaché maintenant. Et notre ami Jacques Lafitte revient peu à peu sur les hommes de tête. C'est bien bien ce qu'il fait Jacques Lafitte. Alors que la place de dernier qualifié maintenant est pour Bertrand Gachot. Bertrand Gachot, auteur du meilleur tour en course et doit attaquer en tout début d'épreuve. Paul Belmondo est reparti, mais il est en 8e position. Et Philippe Agneau est à l'attaque intégrale. On l'a vu toucher les bordures. Il veut vraiment essayer de chipper cette seconde place à Marc Surer. C'est vrai qu'en finale, une troisième ligne, c'est un peu plus dur. Et il faut essayer de partir sur les deux premières lignes pour avoir une chance de vaincre. Là, la situation s'est pas mal décantée maintenant. En fait, ce qui a été un peu le déclencheur, c'est le tête à queue de Belmondo. Pierre-Henri Raphaël est bien, puisqu'il vient d'établir le meilleur tour en course. Là. Raphaël qui continue de creuser l'écart et on surveille la bagarre pour la deuxième place toujours. Cette bagarre entre Surer et Alio n'est plus là. Alio vient de toucher une bordure apparemment. Ouais. Alio apparemment n'est pas sorti des coursives ou du moins il va en ressortir très attardé. Et, alors est-il reparti? On va surveiller. Pour non. Essayer de vous tenir au courant. Et il a laissé. Lafitte est troisième maintenant. Et Alio est reparti en quatrième position. Il a perdu une place. Une place qui a profité à Jacques Lafitte. Jacques Lafitte toujours prudent, régulier, appliqué. Mais toujours l'essentiel toujours. Pour Philippe Alio, c'est d'être qualifié quand même pour la finale. Et il reste qualifié. Alors que là, Gachot a connu un problème. Voilà. Et notre ami Raphaël continue d'améliorer son record du tour. Pierre-Henri Raphaël qui est vraiment très à l'aise. Et apparition maintenant dans le top 5 de Rupert Keegan. Alors lui aussi c'est un vétéran, Rupert Keegan. On se souvient de lui en Formule 1 il y a longtemps. Longtemps, il avait un sponsor qui vantait les charmes des jolies filles. Une revue anglaise, Penthouse je crois, me rappelait. C'est ce qu'il avait rendu très célèbre à Rupert Keegan. Qui était un gentleman majeur avant l'heure. Raphaël qui gère maintenant parfaitement la course après 10 tours, c'est-à-dire à un petit peu plus d'un tour de l'arrivée maintenant. Nous sommes dans le dernier tour. Il va prendre un tour à Fulvio Balabio qui se trouve devant lui et qui ferme la marche de cette demi-finale. Le voilà, Fulvio Balabio. Raphaël prend un tour. Surer va passer aussi. Balabio très très correct, hein, qui signe. Et voilà, en tout cas, donc les positions sont maintenant figées et les 5 qualifiés pour la finale seront donc Pierre-Henri Raphaël, Marc Surer, Jacques Lafitte, Philippe Alio et Rupert Keegan. Henri Pescarolo 6e, Bertrand Gachot 7e, Paul Belmondo 8e et Fulvio Balabio 9e disputeront le repêchage. Voilà, alors que maintenant nous avons... La deuxième demi-finale de Formule 1 qui se prépare. De Masters. Donc on récapitule les noms des 10 qualifiés pour la finale des célébrités avec vous si vous le voulez Patrick. Nous aurons une première ligne Gabani Raphaël, une deuxième ligne Lammers Surer, une troisième ligne Capelli Lafitte, une quatrième ligne Kuhn Alio, une cinquième ligne De Villota Keegan. Et les repêchés que nous connaîtrons dans quelques instants. Voilà, tout à l'heure, séance de repêchage. Eric, aux côtés de Bertrand Gachot, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez cinquième et... Le moteur se coupe de temps en temps et là, il s'est coupé. Problème technique alors. Faut réparer avant le repêchage. Non, mais c'est bien, comme ça je peux rouler plus. Merci. Voilà, on revoit cette image de Paul Belmondo qui se plaignait que personne ne venait le sortir de la situation embarrassante dans laquelle il se trouvait.
Là, c'était une attaque de Alio sur Surer, mais ça n'est pas passé. Et là, un passage en force, tentative de passage en force de Raffanel sur Surer, mais là non plus, ça n'était pas passé. Marc Surer qui a vraiment défendu bec et ongle sa place pour finalement terminer second. Une belle prestation et une belle ténacité pour le pilote suisse. Et là, on a vu une passe d'armes également entre Rupert Kigan et Paul Belmondo. Voici Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve à l'image. Jacques oui. Villeneuve. Eric. Oui, oui aux côtés rapidement avec Paul Belmondo. Paul, c'est vous qui avez fait les frais de ce superbe duel de début de course. Oui, malheureusement. Bon, bah, il va falloir faire quelques tours de plus et passer par les repêchages. Donc j'espère que bah, j'arriverai à faire la finale. J'aurai pas trop de malheur dans ce repêchage. Sinon, dès le début, vous sembliez bien dans la course. Oui, ouais, ça allait pas mal. J'ai modifié un peu le réglage de mon kart et il marchait bien. Donc bon, bah, on verra pour tout à l'heure maintenant. Merci. En ce temps, vous voyez au ralenti les images de Paul appelant au secours les commissaires qui se trouvent au bord de cette piste. Passage de Raffanel sur Alio. Et vous voyez à ce moment-là, Paul Belmondo, c'est là où Paul se met en tête à queue d'ailleurs. Et Jacques Villeneuve installé sur la pré-grille. Le moment que tout le public du Palais Omnisports de Paris-Bercy attend, puisque les essais qui ont eu lieu aujourd'hui étaient des essais qui ont eu lieu à huis clos. Donc c'est la première fois que le public de Bercy, vous voyez, archi nombreux ce soir. 15 000 spectateurs vont voir Jacques Villeneuve, champion du monde de Formule 1 1997, évoluer. Et Jacques Villeneuve, qui est en Formule 1, conduisait avec des lentilles, et bien là, a mis ses lunettes ce soir. Oui, je pense que les lunettes, c'est plus adapté au kart parce qu'il y a une vitesse de pointe moins importante. Et aussi parce qu'il y a peut-être des phénomènes de buée, de transpiration, je ne sais pas, en Formule 1. Et on a vu plusieurs pilotes utiliser des lunettes ce soir. Alors, nous aurons dans cette demi-finale Vincenzo Sospiri. Voilà, avec le numéro 12 qui a réalisé le meilleur temps. Donc, Vincenzo Sospiri, champion international de Formule 3000 il y a deux ans, en 1995. Voilà, je vois David Terrien derrière lui, Emmanuel Clerico, Pedro Lamy, Jacques Villeneuve qui est dans une position idéale pour se qualifier. Ensuite, le numéro 42 qui est Guillaume Gomez et le numéro 15 qui est l'ancien champion du monde de kart, Gabriele Tarquini. Alors que le numéro 16 qui ferme la marche est Emmanuele Pirro. Et un petit peu plus loin, Jimmy Vasseur, le numéro 4 qui lui découvre vraiment le karting alors qu'il est spécialiste du kart CART. On vient de se placer sur la grille de départ. Lui, c'est Vincenzo Sospiri, qui, après avoir été champion international de Formule 3000, donc il y a deux ans, en 95, eh bien, a été pilote essayeur en Formule 1. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il n'a pas disputé le moindre Grand Prix de Formule 1. C'est un peu le malheur de tous ces pilotes essayeurs qui font des essais, mais qui ne réussissent pas à courir. Sospiri et Terrien en première ligne, Clerico Lamy en deuxième ligne, Villeneuve et Guillaume Gomez, Pirro, Tarquini, Vasseur et Eric Van de Poel derrière. Avec une grande question, est-ce que Jacques Villeneuve va se qualifier directement? Il a fait un chrono qui lui permet. Et on m'a dit dans la coulisse tout à l'heure que sa motivation était grande pour faire plaisir au public de Paris et pour arriver à rentrer en finale et à vivre cette fête le plus longtemps possible ce soir. Jacques Villeneuve qui a, je crois, déjà conquis le public de par sa présence. Il va s'attacher à faire encore mieux au volant de son kart. C'est sûr que pour Jacques Villeneuve se retrouver au milieu d'une grille de départ, avec devant lui David Terrien et Emmanuel Clerico, ce n'est pas quelque chose de courant quand on est champion du monde de Formule 1. Je rappelle que David Terrien, le français, alors que vous voyez que Sospiri essaye de trouver sa concentration en respirant fort. Je rappelle que David Terrien, qui partage la première ligne avec Sospiri,
courait cette année dans le championnat du monde de Formule 3 avec une saison d'ailleurs un peu en demi-teinte hein, pour David Terrien, il faut bien le dire. Il a signé une pole position, c'était sur le circuit de Charade. En revanche, ça a été une saison, c'était sa première saison en F3 après avoir été champion de Formule 4, mais c'est vrai qu'elle n'a pas concrétisé toutes ses ambitions. Voilà, et David qui va essayer de jouer le titre en 1998 parce qu'il a mené sa saison d'apprentissage. Maintenant, il faut que le déclic se produise, comme on dit, et que David soit en mesure de jouer le championnat, ce qui ne sera pas facile. Et on se souvient en tout cas que ici à Bercy, il y a deux ans, en 1995, David Terrien, le samedi soir, l'avait emporté. Derrière, il y a un homme qui avait calé, qui a levé loin, mais tout est remis en ordre. C'est parti! Excellent départ de Sospiri qui part en tête. Excellent départ de Clérico aussi, mais les positions restent celles de la grille. Deuxième Terrien, troisième Clérico. Alors que Jacques Villeneuve est dans le peloton, il a pris un départ très correct. Tout à fait correct, oui. Il est sixième, Jacques Villeneuve, visiblement. Oui. C'est-à-dire juste à un point, à une place de la qualification. Mais il va s'en occuper, j'en suis sûr. On peut le penser. Sospiri, Terrien, Clérico, Lamy, Piro, Villeneuve. Voici Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, c'est une, oui, c'est une bonne nouvelle. Il tient le rythme des pilotes qui le précèdent. Jacques Villeneuve est dans le bon wagon. Sospiri est en train de se détacher alors que Terrien est sous la menace directe de Clérico. Et que derrière, Lamy est installé en quatrième position et Emmanuel Piro en cinquième position. Ce sont pour l'instant les cinq qualifiés. Jacques Villeneuve est sixième. Bagarre pour la quatrième place, donc entre Pedro Lamy avec le numéro 8 et Emmanuel Piro avec le numéro 16. Et Jacques Villeneuve se fait un petit peu décrocher hein, par ces deux hommes. Et la course est encore longue, il peut se produire beaucoup de choses. Il y a 12 tours, je vous rappelle. Et on n'en a effectué que deux pour l'instant. Ouais, et Jacques Villeneuve, très appliqué. Il commence à sentir un petit peu le pilotage d'un kart. On voit que c'est un garçon qui n'a pas l'habitude, mais qui a un talent inné et qui commence, dès que ça va un petit peu vite, à être particulièrement à l'aise. Il a toujours aimé les situations hyper rapides. Villeneuve, c'est pas un garçon de passage lent. C'est pas le champion des épingles, mais dès qu'il y a des petites courbes un peu rapides, on sent que Villeneuve aime ça. Il est à l'aise dans le rapide, ça a toujours été le cas dans toute sa carrière en course automobile, alors que devant, alors que Villeneuve est quand même en train de se faire un petit peu décrocher par le paquet qu'il précède, et bien devant, Sospiri est en train de creuser l'écart puisqu'il compte maintenant une seconde et demie, un petit peu plus d'avance sur Terrien. Michel Sospiri qui est assez vite, hein, qui est assez vite, qui est déjà juste en 30 secondes et 2 dixièmes. Et là, il y a eu un changement puisque Lamy est passé devant Clérico. Lamy est passé en troisième position. Clérico maintenant en quatrième et Piro cinquième. Et alors que c'est ça, Jacques Villeneuve est à une seconde en regardant les chronos d'Emmanuel et Piro. Jacques Villeneuve qui a un petit peu de mal, il ne se fait pas vraiment décramponner, mais il ne revient pas. Il faudrait que la bagarre un petit peu se durcisse devant pour qu'il puisse recoller, ce qui va être difficile, je pense, à la régulière. Mais ils peuvent passer beaucoup de choses. Il peut y avoir des accrochages, oui. Notamment. On a eu dans pratiquement toutes les courses depuis le début de cette soirée. Ah, notre ami David Terrien vient d'établir le meilleur tour en course en 30 secondes et 6 centièmes. Donc David Terrien va tenter de revenir sur Vincenzo Sospiri. Il y a quand même, oui, il a réduit l'écart d'une seconde, il n'y a plus qu'une seconde et demie, il y avait une seconde 6 tout à l'heure. Alors que Clérico est sous la menace directe de Piro, qui apparemment est plus rapide que ne l'est le français. Sospiri, Terrien. Est-ce que Terrien va être en mesure de revenir plus qu'une seconde 2 d'écart? Il a repris 2 dixièmes à Sospiri dans ce tour, David Terrien. Et Villeneuve, attention, se trouve va bientôt se trouver sous la menace de Tarquini. Oui, Tarquini est en train de revenir sur Jacques Villeneuve. Et Terrien a
repris encore un dixième, plus qu'une seconde une entre le leader Sospiré et le deuxième Terrien. Et David qui a encore battu, qui a encore un petit peu descendu le record du tour. Il est assez vite là, David Terrien. Il est passé sous la barre de 30 secondes en 29,935. Ah, Jacques Villeneuve, ça devient difficile. Hein. Sur les images, on voit que Gabriel Tarquini se rapproche. Gabriel Tarquini, dont il faut rappeler, vous le faisiez tout à l'heure, Patrick, que c'est un ancien champion du monde de cartes et il vient de passer en 6ème position. En boîte de vitesse, champion du monde de cartes à boîte de vitesse. Il a passé, mais Villeneuve est vraiment... Il se bat, Villeneuve, en tout cas. Vraiment quelqu'un qui s'accroche, on le sait, on l'a vu cette année. C'est pas un garçon qui s'avoue vaincu, il a un moral à toute épreuve. Et son manque d'expérience, bon, aujourd'hui... Et regardez, Jimmy Vasseur qui s'accroche, ça c'est étonnant. Jimmy Vasseur qui s'est accroché avec Jacques Villeneuve. Disons que Jacques était déjà bien en travers. Ouais, ouais. Jimmy n'a rien pu faire, visiblement, il n'a pas cherché à le pousser. Mais vous savez que c'est pas mal du tout ce que fait Jimmy Vasseur aussi, lui qui n'a jamais fait de carte, hein, puisque aux États-Unis c'est une discipline qui est très peu répandue. Et regardez, là, il va peut-être être en mesure d'attaquer Villeneuve. Et derrière Vasseur, il y a Guillaume Gomez qui est bouchonné depuis un moment. Voilà. Attention, une possible attaque de Vasseur sur Villeneuve, non. Et devant, c'est la réponse du berger à la bergère. Vincenzo Sospiri a repris le meilleur tour en course. Hein. Oui, je crois que maintenant, les positions sont à peu près figées. En tête, Sospiri, deuxième Terrien, troisième Lavie, quatrième Clérico, cinquième Piro. Sixième Tarquini, septième Villeneuve, huitième Vasseur. 9e Gomez, 10e Vandepool. Voilà, donc pour l'instant, les 5 qualifiés sont Sospiri, Terrien, Lamy, Clérico et Piro. Et ce seront les 5 qualifiés d'office pour la finale. L'information importante, c'est bien entendu que Jacques Villeneuve va être obligé de disputer le repêchage. Oui, Jacques Villeneuve qui s'est très très bien comporté, mais qui n'a pas pu rentrer dans les 5 premiers après son travers. Je pense que de toute manière il se faisait décrocher petit à petit, mais il se faisait décrocher par le groupe qu'il précédait. Oui, oui, oui. Je pense que la cinquième place, s'il n'y avait pas eu d'incident devant, était très difficile à aller chercher pour Villeneuve. Et oui, on aura en finale une première ligne 100% italienne avec Zanardi et Sospiri. Une seconde ligne Salo et Terria, Badoer et Lamy, Herbert et Clérico, Lagorce et Piro. Collard, Tarquini, Villeneuve restent ceux qui devront passer par le repêchage. Voilà, et on verra les repêchages tout à l'heure après l'entracte. Avec une très très belle prestation de Jimmy Vasseur aussi. On revoit le dépassement de Tarquini sur Villeneuve, et Villeneuve qui a failli repasser juste derrière. Oui, Eric. Oui, Nicolas. Oui, côté David Terrien. David, vous avez bien maîtrisé la course. Pas de problème, deuxième place qualifiée pour la finale avec des adversaires italiens qui sont particulièrement dangereux ce soir. Dangereux, oui, puis surtout tenaces parce que bon, ils sont très très vite. Zanardi a été champion du monde de kart, Sospiri aussi, Salo est très très vite. Donc on se bat contre des pilotes qui ont été nos égaux, puisque je dirais, moi j'ai été champion du monde de kart quelques années après eux. Donc ils n'ont rien perdu, moi pas beaucoup non plus. Donc on se bat à armes égales. Je suis parti un peu trop doucement pour pouvoir jouer à Victor, mais je suis bien revenu à mi-course. Je pense qu'en modifiant quelques petits trucs pour la finale, ça peut être sympa. Merci à tout à l'heure pour cette finale. On va peut-être avoir les premières impressions, Eric, de Jacques Villeneuve. Non, qui rome. Jacques qui va retourner au stand, on l'aura tout à l'heure. Je crois qu'on va se quitter quelques instants pour une page de pub et on se retrouve dans... quelques minutes, toujours en direct du Palais Omnisports de Paris-Bercy, dans les stands pour la suite de ce super kart indoor de Bercy. A tout de suite. Les paddocks, vous le voyez, la plupart des pilotes sont revenus pour préparer leur kart avant les repêchages et la finale que vous pourrez suivre dans une vingtaine de minutes, toujours en direct sur Paris Première pour cette grande soirée du Master de Kart 1997, 5e édition. En attendant, nous allons bien évidemment rester dans le milieu du kart et le milieu de la Formule 1. Nous étions il y a quelques instants avec l'un des trois Français qui a été champion du monde de kart, David Terrien. C'était pour sa part en 1993. Depuis, David est en Formule 3.
Il vise bien évidemment, il visera pour 1998 le titre. C'est tout le mal que l'on lui souhaite. Pardon. Laurent Coel a été le rencontrer la semaine dernière. Ils sont seulement trois Français à avoir pu conquérir un titre de champion du monde de kart. Le plus récent s'appelle Jean-Christophe Rabier en 96. Le plus ancien, c'est Emmanuel Collard en 88. David Terrien, lui, fut couronné en 93. Depuis, la carrière du jeune pilote ne cesse d'évoluer. Après une année en kart Super A, puis deux en Formule Ford, où il obtint le titre européen, David Terrien est passé à la Formule 3 en 1997. Après une saison moyenne, il visera le titre en 98 avant de pourquoi pas décrocher un volant dans la catégorie Rennes vers l'an 2000. Tous les ans, je vais dire, on se crée des objectifs un petit peu plus haut. Quand j'étais en Formule Ford, le but c'était de gagner pour passer en F3. Maintenant que je suis en F3, le but c'est de gagner pour passer soit en F3000, soit commencer à faire des essais en F1 comme certains pilotes étrangers ont pu le faire. Et donc le but c'est d'aller toujours plus haut et avec la F1 comme point final. Quoi. Mais le présent pour lui c'est Bercy, très brillant au POPB, il y fut notamment vainqueur. David sait que le rendez-vous parisien est très important pour lui, un bon résultat là-bas et c'est l'assurance d'un bon coup de projecteur bénéfique pour la suite de sa carrière. Bon, moi c'est bon. Médiatiquement déjà c'est presque plus important que la saison de la F3 donc c'est bien d'y être et c'est bien de se faire remarquer à Bercy. Moi, je sais que l'année où j'étais champion du monde de kart, j'ai eu presque moins de retombées que l'année où j'ai pu gagner devant les pilotes de F1 en kart. Donc c'est vrai que c'est une chose importante pour les pilotes qui ont la chance de pouvoir participer à Bercy. Autre avantage pour lui, l'assurance de côtoyer les grands champions, non seulement sur la piste mais également en dehors. Sa plus grande surprise fut même de voir débarquer dans son stand un certain Michael Schumacher, alors champion du monde, venu lui demander à lui, le jeune pilote, des conseils. Ça s'est passé d'une manière très simple, il est venu me voir dans le stand. Il m'a demandé quelques conseils sur les pressions de pneus et puis la mise au point du kart par rapport à ce que j'utilisais. Et puis il m'a dit carrément qu'il allait tester ça dès qu'il le pouvait. Donc c'était sympa de voir qu'il écoutait vraiment ce que je disais avec intérêt. Et à mon avis, il a dû essayer quelques pistes. Bref, Bercy pour David, c'est tout bénéfice. Il faut donc s'attendre à voir encore cette année un Terrien prêt à décrocher la Lune. Voilà David Terrien qui a fort bien réussi dans les demi-finales puisqu'il a terminé deuxième, qu'on retrouvera directement tout à l'heure en finale. À mes côtés, l'un des vétérans de ce Master de kart avec Jacques Lafitte, c'est Henri Pescarolo que vous connaissez certainement. Henri, alors les petits jeunes sont dynamiques et volontaires ce soir ici à Bercy comme chaque année. Oui, c'est toujours très drôle de se retrouver au milieu d'eux. Jacques Lafitte et moi, nous ne sommes pas de la génération kart, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais fait. Moi j'ai commencé l'année dernière à Bercy, cette année j'ai malheureusement pas eu le temps d'en faire beaucoup, mais bon je commence à m'amuser un peu au volant d'un kart, mais c'est tellement différent de la voiture que c'est pas facile. Sinon on voit beaucoup d'ambiance, Jacques Villeneuve qui est venu pour la réputation du master est fait et les places sont chères maintenant d'année en année. Oui c'est de plus en plus dur d'être ici au master, mais avec Villeneuve c'est formidable, il y a une ambiance totalement différente de celle qui régnait l'année dernière avec Schumacher. Il est d'une telle gentillesse, d'une telle simplicité, tellement accessible que vraiment on se sent tous ensemble d'une manière formidable. Je ne sais pas si vous ressentez une différence dans l'ambiance, mais c'est très très amical. On voit également des pilotes du kart américain qui viennent ici. Tout le monde, le gratin du sport auto est représenté maintenant à Bercy. Philippe Streff a réussi avec Elf à créer vraiment une habitude formidable qui est de se retrouver, toutes disciplines confondues, ici à Bercy pour s'amuser entre nous au volant de kart. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons comme moi, mais on s'amuse tous et on fait un beau spectacle et le public a l'air d'aimer aussi. Merci. On parlait il y a quelques instants justement de la plupart des jeunes qui maintenant débutent par le kart. Il y avait cette année les championnats de France qui se sont déroulés avec Vive et Laurent Coel va nous résumer dans les trois catégories ces championnats de France 1997 de kart. Ville de l'Ariège au pied des Pyrénées, Aigues-Vives a été le temps d'un week-end, le rendez-vous des meilleurs pilotes de Promo 2, la catégorie où il y a le plus de licenciés. En effet, on peut commencer à courir en Promo 2 à partir de 15 ans, en quelque sorte la suite logique de la catégorie cadet. Mais on peut également rencontrer des gens plus mûrs qui ont trouvé ici la catégorie où ils se sentent le mieux. De plus, le budget reste très abordable. Pour
Formule 2, c'est une des catégories la plus importante, puisque nous avons plus de 2000 licenciés dans cette catégorie. En plus de ça, c'est la catégorie véritablement de promotion qui coûte moins cher. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où vous voulez arriver en compétition, ça coûtera plus cher que ceux qui considèrent le karting comme un sport loisir. Dimanche 15h30, 5000 spectateurs attendent avec impatience le dénouement de ce championnat de France disputé sur trois courses. Au départ de cette première finale, Vincent Arnault est en tête, suivi de Fabien Zugovic et de Marie Hirt, l'une des féminines de l'épreuve. Dès lors, la bataille est somptueuse et les trois pilotes prennent à tour de rôle la tête de la course. Cette première manche est magnifique et c'est finalement Vincent Arnault qui l'emporte au bout des 20 tours. Deuxième finale, Marie Hirt est à l'extérieur, mais pour décrocher le titre, elle doit absolument l'emporter et donc passer en tête au bout de la première ligne droite. Elle y parvient. Elle résiste alors aux attaques incessantes de Vincent Arnault pendant toute la course et l'emporte. Première manche pour Arnault, deuxième manche pour Marie Hirt. Tout se joue donc lors de la dernière finale. Dernière manche donc, Marie Hirt à l'extérieur prend à nouveau le meilleur départ. Derrière, ça se bouscule. Le public est ravi, la course est palpitante et Marie tient bon. Elle tiendra même jusqu'à l'arrivée et remporte le titre. C'est la première fille championne de France en promo 2. Ça a été dur, mais je suis contente que ce soit terminé parce que j'avais peur qu'il me repasse là. Je commence à être fatiguée là. Ouf, c'est fini. On passe à la catégorie supérieure avec le championnat de France ICA disputé à Perth dans le Cantal. La course qui regroupait 64 participants s'est déroulée sous des trombes d'eau, un cauchemar pour les pilotes, mais une aubaine pour le public avide de sensations fortes. Disputé sur trois courses, le championnat était somptueux et s'est résumé à une bagarre entre trois hommes, Marc Florence, Fabien Pochet et Julien Poncelet. Pour cette première manche, le premier coup de théâtre se produit très vite. Fabien Pochet, bien placé, sort de la piste et il perd du même coup 10 places. Marc Florence, numéro 2, en profite. Il s'empare de la tête de la course. Derrière, ça se bagarre dur pour les places d'honneur et les accidents se succèdent. Mais alors qu'on le pensait hors course, Pochet revient dans la course comme un boulet canon. Le numéro 37 passe ses rivaux 1-1 pour finalement s'imposer de fort belle manière après une course à rebondissement. Pour la deuxième course, le soleil faisait sa réapparition, mais l'intensité ne baissait pas. Au contraire, la course allait s'avérer encore plus explosive, toujours grâce aux trois mêmes hommes qui prenaient le commandement. La lutte était incroyable, chacun prenant la tête de la course. Marc Florence, numéro 2 en tête, évitait l'accrochage entre Pochet le 37 et Poncelet le 60. Pochet perdra sur cette affaire 3 points de pénalité. Des points qui s'avéreront décisifs quant à l'attribution du titre. La troisième manche ne changera pas le classement établi. Marc Florence, grâce à ses deux victoires, est champion de France ICA. Heureux, mais dur à réaliser. Parce que tout le week-end, on est devant. Consécration très bien pour l'équipe. Depuis le début de l'année, on travaille. Je ne réalise pas encore comme il faut. À l'échelon supérieur en Formule A, les courses n'ont pas été autant disputées. Cet homme, le numéro 22, a survolé l'épreuve. Délaissant le baquet de sa Formule Ford, Arnaud Sarrazin se mesurait à l'élite du kart en France. Toujours disputée sur trois manches, cette finale du championnat de France offrait dès la première course le scénario de la compétition, à savoir un Arnaud Sarrazin trop fort qui, dès les premiers tours de piste, s'échappait en tête de la course. Ah
Sarrazin premier, Jouve deuxième, Pogliani troisième. C'était le tiercé de cette première manche. Deuxième finale, on prenait les mêmes et on recommençait. Arnaud Sarrazin en pôle prenait le commandement et vous le voyez à peine le premier tour couvert. Il faisait déjà un léger trou avec ses poursuivants. Les positions n'allaient quasiment pas changer à l'arrivée. Arnaud Sarrazin restait le leader et quel que soit le résultat de la troisième manche, il s'emparait d'ores et déjà du titre de champion de France, le deuxième de sa carrière après celui de 1994. Ça s'est bien passé, on n'a pas eu de problème. J'ai juste eu à gérer mon avance. Puis voilà, c'est fini. Sarrazin, Pogliani, Jouve, c'était le podium final de ce championnat de France Formula 1997. Malgré l'absence de Michael Schumacher ici à Bercy cette année, nous allons quand même vous présenter deux magnifiques livres qui retracent l'épopée et l'histoire de la Scuderia Ferrari. Tout d'abord, ce premier livre qui retrace toute l'histoire du cheval cabré avec notamment des histoires racontées par des gens célèbres ainsi que toutes les déclinaisons qui ont été faites de ce cheval tout au long des années depuis Enzo Ferrari, ainsi que ce livre 50 ans de compétition de Ferrari, également superbe livre aux éditions Été, donc les fêtes approchent. Nous avons un autre livre sur Damon Hill, l'ancien champion du monde qui sera l'année prochaine dans l'écurie Jordan et qui retrace également sa carrière. Nous allons maintenant revenir sur Marie Hirt. Éric Gendry vous en a parlé tout à l'heure. Elle est devenue championne de France de promo 2, dans la catégorie promo 2. Elle a 16 ans et Corinne Tonkchaï l'a rencontrée. Les cheveux blonds et la douceur de son visage, on a du mal à croire que Marie Hirt évolue depuis 6 ans dans le monde du kart. Et pourtant, l'ambiance des paddocks n'a aucun secret pour elle, puisqu'elle y a suivi son père depuis son plus jeune âge. Quand il a raccroché, elle a repris le flambeau et de belle façon, car elle a remporté le titre régional dans toutes les catégories. Un parcours quasi parfait grâce à la vigilance du papa. Si mon père n'avait pas été là, j'aurais voulu passer par exemple plus tôt en ICA, tout de suite après cadet. Mais mon père, je crois qu'il a choisi, la bonne solution parce que comme ça, on n'a pas brûlé les étapes et j'ai maintenant un bagage assez important derrière moi. Les titres glanés dans la très relevée Ligue d'Alsace-Lorraine l'ont menée jusqu'au titre de championne de France Promo 2. Une victoire sur le kart numéro 2 acquise en juillet dernier dans l'euphorie générale. À 16 ans, Marie ne pensait pas parvenir à monter sur la plus haute marche du podium. La course lui semblait d'un niveau trop élevé et la victoire impossible pour une fille comme elle. Et pourtant, elle a réussi à s'imposer. Quand je suis arrivée là-bas, moi j'étais très très calme. Je ne suis jamais vraiment très très stressée. Et mon père a su me détendre et tout. Et puis en fait, au fur et à mesure des essais, je me suis rendu compte que c'était peut-être possible. Les essais chrono, tout ça s'est bien passé. Et dans ma tête, j'étais assez forte, je crois. Et donc, je ne dis pas que je l'ai mérité, mais je trouve que sur cette course, j'étais dans les plus forts. La saison 98 s'annonce chargée pour Marie. D'abord la défense de son titre en promo 2, puis les championnats de France junior et féminin de retour cette année. Sans oublier ses débuts en ICA, le point d'orgue étant le championnat de France ICA, où elle essaiera d'entrer dans les 24 premiers. Un classement obligatoire pour obtenir son billet pour le championnat d'Europe qui sera son premier grand rendez-vous international. Elle aurait pu faire ses premiers pas à un tel niveau à Bercy, mais il en a été décidé autrement. Je suis déçue parce que ça m'aurait fait quand même une très belle expérience de pouvoir rouler avec des gens qui ont un niveau international. Mais à la fois rassurée parce que je me dis que comme ça, j'aurais pas l'air non plus de n'importe qui, j'aurais pas l'air ridicule, quoi. En bon pilote, Marie analyse son matériel, en fait part à son mécano, Laurent Brecker, s'ensuit un dialogue pour affiner les réglages. Calme mais déterminée, elle va de l'avant et espère bien réussir de bonnes performances l'an prochain en ICA. Elle reste très lucide cependant sur la suite de sa carrière. À un moment, le kart n'arrive à saturation. Beaucoup de gens disent ça. Et c'est presque nécessaire de passer à l'automobile. Pour moi, la F1, c'est un peu loin et je ne sais pas si c'est franchement accessible. Donc, je crois que je passerai d'abord à la monoplace pour voir, pour me faire une idée, parce qu'il y a des pilotes à qui ça ne plaît pas du tout. Avant de s'asseoir dans le baquet d'une monoplace, elle a tenu la dragée haute au chevronné René Arnoux. Je vous laisse deviner qui était le plus impressionné des deux. T'as quel âge ?
11. Oh là, c'est bien. En 4 ans, c'est un monoplace. 4 ans de carte. Voilà Marie Hirt qui a fort à faire dans ce monde, bien évidemment, où elle est opposée à un univers essentiellement masculin. À mes côtés, Pierre-Henri Raffanel, qui tout à l'heure a terminé premier de sa catégorie. Une bonne surprise pour vous, même si vous également, vous avez débuté par le kart, donc on vous retrouvait vos premiers amours. Oui, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du kart, puisque je courais dans les années 80. Mais là, je crois qu'en venant sans pression pour s'amuser, je crois que c'est là qu'on s'exprime le mieux. Et aujourd'hui, tout s'est bien passé. Toute la journée, j'étais dans les deux, trois premiers. La demi-finale s'est bien passée. Je gagne cette demi-finale, donc je crois que déjà la première partie du week-end se passe plutôt bien. On dit, tout le monde dit, on est très décontracté, il y a vraiment une bonne ambiance. Le fait qu'il y ait des pilotes connus comme le champion du monde de Formule 1, des anciens grands champions de Formule 1, beaucoup de spécialistes également du kart, on arrive quand même à être détendu et à pas trop avoir de pression au moment du départ. Oui, je crois que bon, c'est évident que quand on est dans son kart, qu'on baisse la visière, il est évident que le palpitant s'excite et qu'on est là quand même pour courir. Donc chacun se bat pour des places, on ne donne pas une place facilement. Mais je crois qu'il y a quand même avant tout une notion de plaisir. J'ai gagné, c'est important, perdre, c'est pas très important non plus. Donc je crois que c'est un mélange de tout ça. Et on préfère finir et gagner, mais je crois que si on perd, bon, tout le monde est quand même un grand sourire. Il n'y a pas de gens catastrophés, il n'y a pas de pression particulière. Et c'est ça la réussite de ce challenge. Alors avec la finale tout à l'heure, une bonne place sur la grille. C'est important. Comment allez-vous aborder cette finale tactiquement? Est-ce qu'on y va directement, Franco, ou est-ce qu'on essaye de jouer un petit peu tactique quand même? Bon, je crois que ce qui est important quand même, c'est de partir devant, parce qu'il est très difficile de doubler. Bon, là, c'est la première fois qu'on va faire peut-être 18-19 tours d'affilée. Donc, je crois que les cartes vont évoluer de manière différente entre les pilotes. Et je crois que celui qui aura le mieux réglé son kart pour une période un petit peu plus longue gagnera cette course-là. Donc, je vous donne rendez-vous tout à l'heure et on verra si j'ai trouvé les bons réglages. Merci, à tout à l'heure et bonne chance pour la finale. On va suivre une compétition de cartes assez amusante qui s'est déroulée, je crois, c'était à Avignon, le Speedy Kart Show, avec la participation d'anciens pilotes, bien évidemment, et aussi de quelques célébrités, le Speedy Kart Show. C'est Avignon cette année qui accueillait la première manche du troisième Speedy Kart Show, une épreuve qui réunit sur trois étapes des personnalités du showbiz et du sport automobile. Après le succès du kart à Bercy, la province pouvait aussi avoir son show et là aussi, on donne un kart similaire à chacun et le meilleur gagne. Parmi les pilotes présents, René Arnoux, ancien pilote de F1, avec un palmarès de 7 victoires sur 150 grands prix disputés entre 1978 et 89. Aujourd'hui, il n'est plus dans un baquet de F1, mais il a réussi à rester dans le milieu en étant toujours aussi disponible avec le public. Moi, ça m'a toujours fait énormément plaisir que le public vienne me voir, que le public me pose, on me dira, on vous a peut-être posé 1000 fois la question, mais je lui dis poser la 1001e, parce que je trouve que c'est normal, c'est grâce au public, c'est grâce aux passionnés, aux gens qui campent sur les circuits, qui dorment dans les voitures, que nous on existe, sinon on n'existerait pas. C'est pas uniquement par les sponsors, mais c'est vrai que c'est tous ces gens qui ont un courage et qui ont un courage d'atteindre, de voir passer, de voir les voitures et tout. Et je trouve que malheureusement, la F1 actuelle, moderne, leur donne peu, parce qu'ils n'ont vraiment plus le droit de trop côtoyer les pilotes et de voir les voitures de près. Je trouve ça un peu dommage. Pour cette finale à Avignon, c'est Anthony Beltoise, le fils de Jean-Pierre, qui prenait le meilleur départ devant René Arnoux. Derrière, ça se bousculait entre Didier de Radiguet, Julien Beltoise et Ludovic Simon. Anthony Beltoise prenait le large, tandis que derrière, Arnoux était à la bagarre avec Simon. Et au fil de la course, le public va vibrer sur la prestation de cet homme, Stéphane Chambon, pilote moto 5 fois champion de France. Il va prouver qu'il est aussi à l'aise sur 4 roues que sur 2. Il va remonter tout le monde pour finalement terminer second derrière Anthony Beltoise. Le vainqueur de cette première étape du kart show 97, Ludovic Simon, termine 3e. Pour ce deuxième rendez-vous à Albi, le plateau des pilotes professionnels est tout aussi relevé après le circuit en ville de Villeneuve-les-Avignon. Retour à une vraie piste de karting qui empruntait pour l'occasion une partie du circuit automobile. Parmi les pilotes présents, toujours Anthony Beltoise, vainqueur de la première étape, son frère Julien, Franck Lagorce, habile dans ce genre de compétition, Cyril Neveu, le motard, et des pilotes de GT comme Olivier Thévenin ou Pierre-Henri Raffanel.
Dans cette finale, Anthony Beltoise prend le meilleur à nouveau, mais cette fois-ci, sa domination n'est pas aussi franche. D'ailleurs, après quelques tours, il s'accrochera avec la Gorse et perdra son pare-choc. Les deux hommes vont se partager successivement la première place. Finalement, Beltoise conservera la tête au final et s'impose devant Franck Lagorce. Cyril Neveu, premier pilote moto, termine quatrième. Anthony reporte donc sa deuxième épreuve de suite, du jamais vu, selon les organisateurs. J'ai fait un très bon départ. Ensuite, bon, au bout de 5-6 tours, j'étais tout seul devant et puis j'ai laissé passer Gatch pour essayer qu'on se bagarre un petit peu. Et puis après, avec Malinconi, on s'est bagarré pendant 2-3 tours, et puis j'ai réussi à les redoubler, et puis comme je voulais quand même la victoire, les 5-10 derniers tours, je ne les ai pas laissé revenir me rattraper. Voilà, donc, allez, on va demander, bien sûr, à... Anthony Beltoise a donc trouvé beaucoup de consolation dans le karting avec ses deux victoires à Avignon et Albi. Tour représentait donc pour les pilotes la dernière préparation avant Bercy et la dernière occasion de s'imposer sur le kart show. Cet enjeu va occasionner un des plus beaux spectacles de l'année en karting pour le plus grand plaisir du public. La course va finalement se résumer à un cavalier seul de Laurent Redon. Débarrassé des soucis qu'il a connus cette année en Formule 3000, l'ancien champion de France de Formule 3 a survolé les essais et la course pour remporter sa première victoire dans ce type de compétition. Disons que j'ai pris un bon départ, après ils sont un peu gênés, donc ça m'a permis de partir. Bon, là, le châssis était bien, un bon moteur. Je suis content parce qu'on a été un peu plus vite ici, donc bon, c'est bien, on a évolué. J'ai fait des petites évolutions sur le kart et ça prouve que j'ai pas trop perdu, quoi. Lui n'avait plus touché un kart depuis Bercy 96. Il s'appelle Jean-Christophe Rabier. Il a couru cette année en Formule Ford, mais il a sur sa carte de visite un titre de champion du monde de karting l'année passée. Les sensations n'ont mis que quelques minutes à revenir. Il a terminé en seconde position. A noter dans la course des célébrités la belle victoire d'un certain Pascal Lavanchy, patineur, aussi à l'aise avec les mains qu'avec les pieds. Voilà, nous sommes toujours en direct de Bercy. Nous allons suivre dans quelques instants les repêchages et les finales de cette édition 1997. Avant de retrouver Eric Gendry, quelques magazines, si les sujets que nous vous avons présentés vous ont donné envie de faire du kart ou d'avoir plus d'informations. Kart Magazine, vous trouverez tout sur le kart dans ce magazine mensuel avec le numéro de décembre. Également Auto Hebdo qui présente toute la prochaine saison de Formule 1 1998, même si tous les pilotes de chacune des écuries ne sont pas encore connus. Et enfin, 50 ans de sport automobile, c'est l'Automobile Magazine qui édite ce supplément de Fangio à Ayrton Senna, en passant bien évidemment par Jacques Villeneuve, Michael Schumacher. Et nous allons maintenant retourner dans la salle de Bercy avec Eric Gendry et Patrick Damary pour les repêchages tout d'abord, messieurs. Voilà, les repêchages des célébrités avec 6 pilotes qui auront donc accès à la finale et qui rejoindront les 10 pilotes déjà qualifiés. Voilà cette grille de départ avec en première ligne Pescarolo et Alboreto, en deuxième ligne Gachot et Jarier, Belmondo et Gounon en troisième ligne, Balabio et Merzario en quatrième ligne. Il faudra très certainement, Patrick, surveiller Jean-Marc Gounon. On sait qu'il a eu un accrochage dans la demi-finale tout à l'heure, mais il devrait normalement être dans le coup et devrait figurer parmi les repêchés. Les repêchés, tout comme Paul Belmondo, qui était très 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 bien avant d'avoir un problème. Un accrochage, être victime de cette course qu'on a vue qui était disputée. Et il devrait lui aussi rentrer dans les qualifiés.
à gauche de la grille de départ, c'est Michele Alboreto qui s'élance en tête. À droite, c'est Henri Pescarolo. C'est Alboreto qui a pris le meilleur départ. Et derrière, Bertrand Gachot s'est installé, me semble-t-il, en troisième position. Voilà, Pescarolo a déjà perdu trois places. Il est quatrième. Belmondo a fait un très bon départ. Il est déjà troisième. Et Jarier s'est arrêté. Jarier est arrêté quelque part sur la piste, pas loin de l'entrée des stands. Le voici, oui, Jean-Pierre. C'est donc terminé pour Jean-Pierre Jarier qui, quoi qu'il arrive, ne participera pas à la finale. Ils en prennent combien ? Six pilotes donc participeront à cette finale. Il y aura 16 pilotes alors qu'on évacue le kart de Jean-Pierre Jarier. 6 pilotes, il y en aura donc 16 dans la finale. Et pour l'instant, Alboreto n'arrive pas véritablement à creuser l'écart. Gachot s'est installé en deuxième position. Gounon, vous le voyez, on vous le disait. Jean-Marc a passé en troisième position. Il vient de passer Paul Belmondo. Et Gachot vient de prendre la tête aux dépens d'Alboreto. Belmondo est en quatrième position. Alors on va refaire le point là sur les positions. Donc en tête Gachot, en deuxième position Alboreto qui est attaqué par Gounon. Gounon passe deuxième. Belmondo passe troisième. Non, il n'est pas passé encore. Ça ne va pas tarder dans la parabolique. Les deux hommes sont de front. Il est passé. Et il est passé Paul. Paul est passé. Paul est passé en troisième position. Donc en tête Gachot, deuxième Gounon, troisième Belmondo, quatrième Alboreto. Et cinquième Pescarolo qui suit le rythme, Henri. Ouais. Et il est pour l'instant qualifié. Alors que Jean-Pierre Jarier a pu finalement repartir après avoir été poussé par les commissaires techniques. Gachot, Gounon, Belmondo, Alboreto, Pescarolo. Et Arturo Merzario. Sixième. Sixième. Donc ces six hommes, pour l'instant, sont qualifiés pour la finale. Derrière, Fulvio Balabio est beaucoup plus loin. Et Jean-Pierre Jarier, bien sûr, beaucoup plus loin encore. Il est resté longtemps arrêté sur la piste. Et attention au possible retour de Gounon sur Gachot. Position qui pour l'instant se stabilise. On va surveiller l'écart entre Gounon, entre Gachot leader et Gounon deuxième. Il y avait une seconde et demie, une seconde quatre, alors que Bertrand Gachot est pour l'instant l'homme le plus rapide en piste. Et il vient de signer le meilleur tour, 31-192. Et j'ai l'impression visuellement, ça n'est qu'une impression visuelle, mais j'ai l'impression que Jean-Marc Gounon est en train tout de même de se rapprocher de Bertrand Gachot. Oui, surveiller l'écart. Il était d'une seconde 4, vous l'avez dit, au tour précédent. Non, c'était une mauvaise impression. Jean-Marc produit son effort, mais Bertrand Gachot a encore baissé son meilleur tour. Bertrand Gachot est très rapide dans ce repêchage. Et ça a l'air assez stable les positions maintenant. Et on voit mal qui pourrait venir déloger un des six hommes pour l'instant qualifiés pour la finale. Je vous rappelle leur nom dans l'ordre du classement pour l'instant. Gachot, Gounon, Belmondo, Alboreto, Pescarolo et Merzario. D'ailleurs, Bertrand Gachot se permet de regarder derrière lui. Il a une bonne marge d'avance, une seconde 3. Une seconde 3, c'est un écart qui a légèrement réduit, alors que Bertrand Gachot passe les attardés. Oui. En l'occurrence, Jarier est juste devant lui. Il a maintenant Fulvio Balabio. Qui on passe d'ailleurs un drapeau bleu. Le drapeau bleu en langage de sport automobile, vous savez que ça vous signifie qu'un concurrent plus rapide s'apprête à vous dépasser et qu'il faut lui favoriser le passage. Ce que vient de faire Fulvio Balabio, toujours très correct. Et Jean-Marc Gounon a pu conserver son rythme et rester en deuxième position. Paul Belmondo prend à son tour un tour à Balabio. Et Gounon s'est rapproché. Oui, l'écart n'est plus que de 9 dixièmes de seconde entre Gachot le leader et Gounon le deuxième. Et Jean-Marc a profité un petit peu de cet épisode des attardés pour gratter une partie de son retard. Il se rapproche, mais est-ce qu'il va se donner le mal d'aller le chercher? Ça n'est pas certain. L'essentiel pour lui, c'est de s'être qualifié pour la finale. On sait que Jean-Marc Gounon va très vite en karting. On sait qu'il roule régulièrement. On l'a vu dans un des sujets qui vous ont été présentés durant l'entracte. On
sait qu'il a participé à plusieurs épreuves de kart show. On est dans le dernier tour et Jean-Marc est revenu à 6 dixièmes. Oui, mais bon, il a le sens du spectacle, Jean-Marc, mais je pense pas qu'il va prendre de trop gros risques. Hein. Non, on peut penser que Gachot assure et qu'il va fermer les portes là où enfin, il faudra les fermer. Jean-Marc vient d'établir le meilleur tour en course quand même. Hein. Lui, il assure pas, il est à fond. Hein. Ouais, d'ailleurs, il s'est un peu loupé là. Il s'est un peu loupé. Okay. Ce sera sa dernière chance de passer Gachot qui vient probablement de perdre. Voilà. Voilà. Donc, victoire de Bertrand Gachot. Jean-Marc Gounon termine deuxième. Paul Belmondo termine troisième. Michele Alboreto quatrième. Henri Pescarolo cinquième. Et Arturo Merzario, sixième, ces six hommes rejoindront donc dans la finale des célébrités BPK Abiani, Yann Lammers, Yvan Capelli, Pierre-Henri Raffanel, Marc Surer, Jacques Lafitte, Philippe Alliot, Rupert Pigan et Yvan Capelli. Voilà, voilà. Donc, et une belle prestation donc d'Henri Pescarolo qui va atteindre cette finale, qui... Lui qui est le débutant de l'an passé. Et on revoit un superbe passage de Jean-Marc Gounon lorsqu'il a doublé Michele Alboreto pour le gain de la seconde place. Jean-Marc Gounon encore à l'attaque, qui est un pilote très spectaculaire en karting, qui est un pilote qui attaque d'un bout à l'autre. Et Bertrand Gachot qui reste... Oui, Nicolas. Oui, aux côtés de Bertrand Gachot. Alors, tout à l'heure, petite déception, mais ça a été vite avec cette super victoire en repêchage. Ouais, non, c'était bien, c'était amusant. On s'habitue de plus en plus à la piste et au kart. Très bien. Alors, en finale, là, il faut pas de droit à l'erreur. Ah ouais, c'est sûr, mais j'ai encore trouvé le moyen d'en faire une, je le sens. On vous le souhaite pas. Il n'est pas très optimiste, hein, Bertrand Gachot. Enfin, en tout cas, là, alors qu'on voit le dépassement de Gounon sur Alboreto, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme dans la conduite de Jean-Marc Gounon. Il a toujours été comme ça, même en sport automobile. On se souvient de l'année où il a été champion de France de Formule 3. Il avait déjà un pilotage très spectaculaire. Et puis, en GT également, on a pu admirer son sens de l'attaque ces deux dernières années. Sa victoire à Pau en Formule 3000 aussi, quand il avait... Quand il avait gagné cette course prestigieuse au prix d'une course où il avait attaqué d'un bout à l'autre, on s'en souvient. Tout à fait, c'est un des seuls Français d'ailleurs qui avait réussi à s'imposer dans les rues de Pau, qui est la manche française du championnat international de Formule 3000. Nous allons maintenant passer au repêchage des masters, c'est-à-dire des pilotes de Formule 1 qui ne se sont pas qualifiés tout à l'heure lors des demi-finales. Alors Jean-Christophe Ravier là. Eric. Oui Nicolas. Oui, juste un petit mot aux côtés d'un ancien vice-champion du monde de Formule 1, Michele Alboreto. Michele, vous prenez beaucoup de plaisir ici à Bercy dans ce master de kart. Oui, c'est la première fois pour moi. Je ne suis pas professionnel de kart. Je n'ai pas commencé ma carrière avec ça, mais je suis très heureux d'être ici. C'est une belle manière de retrouver beaucoup de copains. La finale tout à l'heure? Oui, on va regarder. Merci. Et pendant ce temps, eh bien, on a vu dans le tour de chauffe Jacques Villeneuve se mettre en tête à queue dans la coursive. Alors, est-ce qu'il va pouvoir récupérer sa place sur la grille ou est-ce qu'il va être obligé de partir de la dernière ligne? Ça, c'est... on ne le sait pas. Hein. On ne le sait pas, mais je pense qu'on va... pas tenir compte de cet incident, mais dans les compétitions de karting international, on n'a effectivement pas le droit. Mais là, je ne sais pas, on va voir un peu comment ça se produit. En tout cas, si jamais il doit partir de la dernière ligne, eh bien, ce serait amusant parce qu'il partirait à côté de Norberto Fontana. Fontana qui était un des jeunes pilotes de Formule 1 cette année, qui était dans une petite équipe, ou enfin pas une petite équipe, mais disons qu'il manquait d'expérience puisqu'il était il a remplacé Morbidelli chez Zauber. Non, voilà, Jacques Villeneuve est venu se replacer sur la grille. Il ne partira donc pas à côté de Fontana. La première ligne avec Emmanuel Collard, que vous voyez, on voit cette grille. Tarquini et Collard donc en première ligne.
Villeneuve et Le Marié, ça c'est marrant. Villeneuve et Le Marié, les deux meilleurs amis du monde qui vont partir l'un à côté de l'autre. Vasseur, Javier, Gomez, Van der Poel. Regardez le tête à queue, on va le revoir au ralenti. Le tête à queue de Jacques Villeneuve dans le, tour de chauffe, au freinage de l'épingle des coursives. Oui, c'est le plus gros freinage du circuit. Voilà, les pneus froids, ça ne pardonne pas. Et Jacques a été tutoyé la limite avec des pneus froids et il est parti immédiatement en tête à queue. Enfin, il va partir à côté de Le Marié. Voilà, c'était un avertissement sans frais pour le champion du monde de Formule 1. Et même principe, les six premiers pilotes seront qualifiés pour la finale et rejoindront ainsi Zanardi, Salo, Badoer, Herbert, Lagor, Sospiri, Terrien, Lamy, Clerico et Pirot. Oui, le départ est imminent. En fond de grille, Eric Van de Poel sur la dernière ligne. Le rouge est allumé, c'est parti. À gauche, Tarquini et à droite, Collard. Oui, et Jacques Villeneuve a pris un très très bon départ cette fois. Il est troisième. Et Le Marié, quatrième. Le Marié qui va se retrouver en bagarre avec Villeneuve. Ça. Et attention à l'attaque de Collard sur Tarquini. Ça n'est pas passé, mais Collard a l'air manifestement plus rapide que ne l'est Tarquini. Villeneuve en troisième position, Le Marié en quatrième position. Fontana cinquième qui tente une attaque. Oh là là, et Vasseur. Le Marié a tassé un petit peu Fontana à l'extérieur, c'est bonne guerre. Et devant ça va très très vite, hein. Ça va véritablement très vite. Regardez Manu Collard qui tente une attaque, non, ça ne passe pas. Il est au maximum attaque, Emmanuel Collard. Voilà, et cette bagarre de tous les instants profite à Jacques Villeneuve qui recolle aux deux hommes de tête peu à peu. Jacques Villeneuve qui commence à bien comprendre le maniement d'un kart dans ce POPB voué à sa cause. Il n'a pas mis longtemps à comprendre. Non, tout le monde est... Collard passe. Superbe dépassement d'Emmanuel Collard. Un dépassement typique de kartman. Et c'est Manu, c'est vraiment le kartman. Ça restera toujours un grand kartman, un pilotage vraiment fantastique en kart, Emmanuel. Qui s'est parfaitement freiné son kart en glisse et qui retrouve chaque année à l'occasion de Bercy, c'est vraiment ses sensations. Et Patrick Le Marié est en train de se rapprocher de Jacques Villeneuve. Oui, il a même établi le meilleur tour en course. Il vient d'établir le meilleur tour en course. Alors pour l'instant, les six qualifiés pour la finale sont Collard, Tarquini, Villeneuve, Le Marié, Fontana et Jimmy Vasseur qui vient de passer Guillaume Gomez et qui est maintenant sixième. Étonnant ce que fait Jimmy Vasseur. Et je dis aussi Villeneuve qui a bien retouché ses réglages depuis la manche de qualification de tout à l'heure. Puisqu'il tient bien le rythme d'Emmanuel Collard et de Gabriel Tarquini. Collard qui vient de signer à son tour le meilleur tour. Il vient de le shipper à Patrick Le Marié. 30-273. Le Marié qui contient bien Fontana, qui est aussi visiblement très rapide dans son repêchage. Le Marié qui continue de se rapprocher de Villeneuve. Alors, va-t-il attaquer son pote ou... va-t-il profiter de cette place en finale pour les deux meilleurs amis du monde? Est-ce qu'on va savoir bientôt, car ah oui, là il est très nettement revenu sur lui. Il y a moins d'une seconde d'écart entre les deux hommes. Et Collard est en train de se détacher devant. Tarquini tient bien le rythme. Emmanuel Collard qui a amélioré le record encore. Hein. En 30-0-25, Emmanuel Collard qui tourne vraiment dans les temps des meilleurs dans ce Masters. Le Marié dans les roues de Villeneuve en quatrième position. Oh, il a fait une faute, Villeneuve. Il a fait une petite faute là à la sortie de ce virage à gauche. Et ça va probablement offrir l'opportunité à Patrick Le Marié d'attaquer son copain. Oh, je ne sais pas si Le Marié est très motivé pour passer Villeneuve. Ici, il va rester dans ses roues pour l'instant. En tout cas, c'est le duel le plus amusant qu'on pouvait imaginer. C'est vrai que ces deux garçons sont très très liés. Ils se connaissent depuis qu'ils étaient pensionnaires ensemble en Suisse. Ils étaient tous les deux très jeunes. Ils faisaient du ski ensemble. Et ils sont restés très très amis à tel point que...
quand Patrick Le Marié n'a plus trouvé les budgets nécessaires pour courir en Europe, eh bien Jacques Villeneuve lui a filé un coup de main pour le faire venir aux États-Unis et le faire courir en Formule Atlantique. Bon, je pense que Patrick Le Marié ne va pas attaquer Jacques Villeneuve. J'ai l'impression qu'il ne l'attaque pas, oui. J'ai l'impression qu'il pourrait l'attaquer et qu'il ne le fait pas. Je me demande même si en début de course, il n'a pas fait un petit peu le jeu de Jacques. En contenant Fontana qui était très vite, je ne sais pas. Mais Le Marié ne va pas tenter quelque chose d'impossible. Pour l'instant, sont qualifiés pour la finale les six premiers, à savoir Collard, Tarquini, Villeneuve, Le Marié, Fontana. Et va se raccrochage entre Villeneuve et Le Marié. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, il y en a un qui va perdre sa qualification dans l'affaire, c'est Le Marié probablement. Car regardez, derrière, et même Villeneuve, on va observer le classement au prochain tour. Parce que Fontana, oh là là, Jacques Villeneuve dans les bottes de paille. Et Patrick Le Marié s'arrête. Voilà, non, donc, il s'est pas fait mal, on a eu peur. Et Patrick Le Marié, vous avez vu, s'est arrêté pour regarder si Jacques ne s'était pas fait mal. Et les deux gagnants de cette opération sont Gomez et Ravier, qui entrent dans les six premiers. Ah, c'est vraiment dommage. Voilà, Manu Collard, en tout cas, remporte donc ce repêchage. Devant Tarquini, Fontana, Vasseur, Gomez et Ravier. Ah, quelle image celle de Jacques Villeneuve qui s'est loupé. Il y a eu dans un premier temps un accrochage entre Le Marié et Villeneuve. Et puis après, on va probablement revoir tout à l'heure au ralenti ce qui s'est passé exactement pour essayer de se faire une opinion. Ce qui est en tout cas l'image qui... regardez, c'est Le Marié qui ramène Villeneuve. Ah, quelle belle image. Ah ça, ce sera une image qui restera de Bercy. Oui, Nicolas. Oui, aux côtés d'Emmanuel Collard. Emmanuel, une victoire, une qualification pour la finale. Ouais, c'est super. J'espérais participer quand même à la finale parce que on n'a pas, pas eu trop de chance dans la demi-finale. Et bon, bah, c'est bien de pouvoir la faire. Quoi. Bonne chance, à tout à l'heure. Jacques Villeneuve qui est en train de regagner. Il va répondre quand même au speaker de Bercy. Alors, on peut imaginer que Jacques Villeneuve ne reviendrait pas ce soir, vous croyez, Patrick, ou est-ce qu'on va le repêcher de manière spéciale? Ah, moi, je pense que ça serait bien parce qu'il le mérite. Il le mérite au titre des progrès qu'il a effectués déjà depuis ce soir, vraiment. Alors, je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que Jacques Villeneuve a dit au speaker de Bercy. En tout cas, ça fait plaisir de voir un Villeneuve souriant et détendu. Voilà donc Collard, Tarquini, Fontana, Vasseur, Gomez et Ravier participeront à la finale et rejoindront ainsi Zanardi, Salo, Badoer, Herbert, Lagorce, Sospiri, Terrien, Lamy, Clérico et Pirot. Voilà, ça c'est l'accrochage entre Le Marié et Villeneuve. Oui, je dirais même que Jacques est parti en tête à queue et Le Marié s'est mis en travers pour l'éviter. Regardez ce qui s'est passé un petit peu plus tard. Eh oui, ah, il aurait pu partir en tonneau. Hein. Il a été jeté d'ailleurs, tout le monde. Oui, Nicolas. Oui, aux côtés de Patrick Le Marié. Alors, Patrick, c'était la course la plus dure que vous ayez à faire avec votre copain Jacques. Et finalement, l'accrochage inévitable, presque, on pourrait dire. Ah non, c'est pas touché. Hein. Non. Simplement, Jacques a fait un tête à queue. J'ai pas pu l'éviter, j'étais derrière. Donc, on est restés coincés tous les deux. Et après, il s'est accroché tout seul sous les coursives. Donc, je l'ai ramené. Mais bon, on était bien. On était tous les deux qualifiés. Et moi, ça me plaisait de rouler avec lui. Donc, c'est dommage qu'il ait fait cette petite faute. Merci. Est-ce qu'on pourrait demander à Patrick s'il aurait attaqué Jacques Villeneuve ou est-ce qu'il avait choisi de ne pas l'attaquer? Éric Gendry me demande est-ce que vous auriez attaqué Jacques ou est-ce que vous aviez choisi d'assurer la qualification? Non, je restais tranquillement derrière lui. On était tous les deux qualifiés pour la finale, on roulait tous les deux. C'était un grand moment, un grand plaisir. Et bon, c'est dommage qu'il ait fait cette petite faute. Voilà. Merci. Et bien, puis Patrick Damary avait vu juste. Effectivement, on le voit bien sur ce ralenti. C'est Jacques qui se met en tête à queue et Patrick derrière.
qui l'accroche malgré lui. Vous aviez vu juste, Patrick, Patrick Lemarié n'avait pas choisi d'attaquer son pote. Oui, c'était normal. Je pense que c'est des vrais amis. Et c'est pas simplement parce qu'aujourd'hui Jacques est très célèbre que cette amitié existe. Je crois que c'est des gamins qui étaient copains ensemble et qu'ils sont restés au fil des années. C'est à saluer aussi dans ce métier. Oui, c'est une école de la vie quelque part, parce que c'est vrai que c'est la logique, mais finalement une logique est souvent bafouée, car c'est vrai que quand quelqu'un devient célèbre, et bien souvent ses amis, ses premiers amis ne comptent plus, et c'est contraire à la logique. Et en fait Jacques Villeneuve, ce faisant, ne fait que respecter la logique, qui est que ses amis de toujours, on les garde pour toujours. Voilà, donc on connaît maintenant, alors que Nicolas est en compagnie de Philippe Streff. Oui, en compagnie de celui par qui existe ce superbe master de kart indoor. Philippe, vous devez être content de voir l'ambiance qui règne ce soir avec un Jacques Villeneuve qui joue parfaitement le jeu, même si il a joué un peu de malchance dans le repêchage. Mais les meilleurs pilotes sont au rendez-vous, le champion du monde est là. Les Américains et les pilotes de kart sont là aussi, les meilleurs kartman du monde. Ça doit être une satisfaction pour vous pour cette cinquième année. Effectivement, j'ai la chance d'avoir les trois disciplines mondiales représentées avec Jacques Villeneuve qui cumule les deux titres, Indy et bien sûr championnat du monde de Formule 1, mais également ses successeurs, c'est-à-dire Jimmy Vassar et Alex Zanardi qui est champion Indy 97, et bien sûr Michele Alboreto qui est vainqueur des 24 heures du monde. Donc les trois principales disciplines sont représentées ici, et effectivement je crois que tout le monde s'amuse beaucoup, le public est ravi, la salle est comble, et vous êtes là, donc merci à tout le monde et que la fête continue. Quand justement tous les pilotes, le maître mot de tous les pilotes, c'est plaisir, envie d'être ici. Même Jacques Villeneuve nous disait, j'avais entendu parler depuis plusieurs années du kart indoor, j'avais vraiment envie de venir et je suis là cette année. Et je crois que d'une manière générale, que ce soit les anciens, les jeunes ou les pilotes confirmés, tout le monde a vraiment envie d'être là et les places sont chères. Oui, c'est vrai que Jacques est vraiment venu par passion du sport mécanique. En général, il l'a prouvé en venant alors qu'il n'a jamais fait de karting. C'est l'exception qui confirme la règle, puisque il a débuté par la Formule 3 et il s'est entraîné depuis quelques semaines en karting. Et donc là, je pense qu'il réalise une très très belle performance malgré le tête à queue en repêchage. Merci, merci Philippe. Je crois qu'on vous retrouve, Eric, pour. Pour les finales, ou non, le repêchage encore? Non, alors là on entre dans le domaine de Patrick Damary, là. On entre dans le domaine des jeunes kartmen. La course qui s'appelle la course CIK-FDK. FDK c'est Fédération de Karting, et CIK, Patrick? CIK c'était la Commission Internationale de Karting, qui est devenue depuis un mois la FMK, la Fédération Mondiale de Karting. Alors là, on a un superbe plateau. On a ce qui se fait de mieux, avec un Christophe Vassar et Giuseppe Palmieri en première ligne. Cédric Convert et Massimiliano Orsini en seconde. Aymeric Mercier, Laurent Delahaye, Andrea Nicastro, Justin Button, Arnaud Sarrazin, Marc Florence, Eric Salignan, Tony Garcia, Guillaume Renaud, Johnny Mizijelevic et Albin Martinez, c'est-à-dire des champions du monde, des champions de France, des espoirs. Des légendes du kart comme Massimiliano Orsini qui courait à l'époque de Michael Schumacher, et des Français qui vont très bien. Christophe Vassar est en pole position, le champion de France Cédric Convert est en deuxième ligne. Le champion d'Italie Giuseppe Palmieri est à côté de Christophe Vassar. Orsini sur la seconde ligne, les petits jeunes de chez Sodikart, Mercier et Delahaye en troisième ligne. Et je vois que Massimiliano Orsini est absent sur cette grille. Apparemment, il a eu quelques problèmes. Tout à l'heure, il ne sera pas donc à la position qui lui était dévolue. Le superbe kart de James Courtney, le premier Australien champion du monde. Un petit phénomène en devenir. Et Gaston Fragas, le Brésilien champion du monde 1995, qui vient de débuter en Formule Renault il y a un mois de cela. C'est les deux derniers champions du monde d'Asie. Guillaume Renaud, le Français, troisième du championnat du monde 97. Éric Salignan, le vainqueur de la Monaco Kart Cup cette année.
Ça, c'est Massimiliano Orsini, le numéro 10, le champion du monde 1995, la légende du karting, le plus grand pilote encore en activité. Et qui va s'élancer de la deuxième ligne aux côtés du Français Cédric Converse. Alors, on va surveiller attentivement les deux Français qui sont sur les deux premières lignes, à savoir Christophe Vasseur sur la première ligne qui sera sur la droite de votre écran et Cédric Converse. Qui est juste derrière lui. Hein. Voilà, Cédric, Christophe Vasseur, il est facile à reconnaître, il est en vert. Et apparemment, c'est Palmieri qui a pris le meilleur départ. Palmieri devant Vasseur, Convert, Martinet, Delahaye, Roudarou, Jenson Button et Arnaud Sarrazin. Cette course va se dérouler sur 12 tours. 12 tours, un très très bon départ de Massimiliano Orsini qui devant mène le train. Christophe Vasseur est deuxième. Cédric Convert, troisième, contient difficilement Aymeric Mercier qui tente une oui, attaque et qui passé. Mercier est passé en troisième position, en quatrième position. Mercier a passé, oui. Non, c'est Laurent Delahaye. Laurent Delahaye qui a passé Cédric Convert. Mercier est cinquième. Orsini, Vasseur, Delahaye, Converse, Mercier. Voilà pour l'instant les positions avec quatre Français donc dans les cinq premiers. Mais le problème, c'est que c'est pour l'instant l'Italien Massimiliano Orsini qui a fait un tour. Occupe la tête de cette course dans laquelle 18 pilotes sont engagés. Et Orsini qui est déjà sous la barre des 30 secondes. Ça va très très vite. Ah, il faut quand même préciser, Patrick, c'est important. Oh là là, accrochage en queue de peloton derrière, mais sans gravité. Il faut quand même préciser, Patrick, qu'au cours de cette soirée de karting de Bercy, les hommes les plus rapides de la soirée, ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là pour deux raisons. Parce qu'ils font du karting toute l'année, c'est évident. Et aussi parce qu'ils possèdent un matériel un peu plus pointu et du matériel qu'ils ont eu le loisir de faire évoluer tout au long de la saison. Oui, je le présentais, Laurent Delahaye et Cédric Convert vont très très vite. Cédric Convert en 29,78, le meilleur temps jamais réalisé ce soir. Le quatrième en piste est le plus rapide et Laurent Delahaye fond maintenant sur Cédric Vasseur. Orsini en tête, Vasseur, Delahaye, Convert. Et attention à une possible attaque de Delahaye sur Vasseur. Delahaye a l'air plus à l'aise que ne l'est Christophe Vasseur. Il a deuxième place qui est en jeu, attention. Non, ça n'est pas passé. Ça va se faire très prochainement. À mon avis, ça n'est que partie remise. Car Delahaye manifestement est plus rapide que Vasseur. Il le pousse un petit peu, oh là là. Il est en 29. Oh là là, voilà. Ça devait arriver et il a gardé, il a réussi à garder sa troisième place de l'air. Alors que Converse est toujours quatrième. Mais Christophe Vasseur ne va pas s'en tirer comme ça à mon avis parce qu'il gêne tout le monde. Voilà. Voilà. Oh là là, il a perdu son spoiler, oui. Christophe Vasseur. Christophe qui nous avait habitué à un esprit plus sportif les années précédentes. Et c'est Converse qui en a profité. Oh là là, c'est très très chaud. Voilà, Aymeric Mercier en fait les frais. Ouais. Et en tout cas, c'est Cédric Converse qui en a profité, qui est maintenant passé en deuxième position. Et Laurent Delahaye, à mon avis, va attaquer Cédric, ça c'est évident. C'est Delahaye qui a l'air le plus rapide, c'est lui qui a le record du tour d'ailleurs, 29-510. Voilà, Delahaye est passé deuxième, c'est peut-être lui qui peut aller chercher Orsini. Et non, et c'est Arnaud Sarrazin qui en profite maintenant, puisque... Ah, Arnaud Sarrazin qui est revenu complètement du fond, il est troisième derrière Delahaye. Et Jenson Button vient d'approcher Cédric Convert, l'anglais. À quelle course ? Ah oui, et Christophe Vasseur, vous voyez qu'il n'a plus d'avance sur son kart. Il devrait être mis en course normalement parce qu'on n'a pas le droit de rouler comme ça. Et attention maintenant à la remontée de Delahaye, mais qui est Arnaud Sarrazin qui le menace. Arnaud Sarrazin, champion de France en titre de Formule 1. On l'a vu tout à l'heure lors des sujets que vous ont proposé Laurent Coel et Corinne Ponchaï lors de l'entracte. Très rapide Sarrazin également. Et c'est toujours Delahaye qui est le tour le plus rapide. Oui, ça va un petit peu moins vite là depuis 2-3 tours parce que ça se bagarre pas mal. Et Arnaud Sarrazin vraiment maintenant dans les roues de Laurent Delahaye, va-t-il pouvoir l'attaquer? Laurent qui ferme bien la porte normalement. Ouais. C'est très très intelligemment. De manière très propre, vous voyez, il y a 4 secondes et demie d'écart, vous l'avez vu entre Orsini et, ah oui, et Delahaye. Orsini en profite. Hein. Bien sûr, il roule seul, lui, c'est beaucoup plus facile. Et paraît évident que Cédric Convert vient de nous sortir un temps 29-459. Un temps extraordinaire pour Cédric Convert qui va peut-être pouvoir revenir, mais il est un peu loin à mon avis.
Parce que Cédric le veut, ce podium. Et en tout cas, Orsini est intouchable pour la première place. Tout ce qui reste à jouer, le voici, Italien Orsini. Ce qui reste à jouer, c'est effectivement une place sur le podium. Et Delahaye a repris un petit peu de champ maintenant, oui, par rapport à Sarrazin. Arnaud Sarrazin un peu d'air, qui est un petit peu moins rapide là tout de suite. Et Converse également. Il vient de tourner en 29-26, Cédric Converse. Là, c'est très 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 vite. Il va être sûrement le premier pilote à descendre sous la barre des 29. Il est en 29-17. Laurent Delahaye, 29-17. C'est lui qui a le record du tour. C'est pour ça d'ailleurs que Arnaud Sarrazin est en train de marquer le pas, c'est que Delahaye vient de nous offrir un tour extrêmement rapide, le tour le plus rapide réalisé ce soir à Bercy, alors qu'on a vu Christophe Vasseur sans spoiler avant, qui est toujours dans la course, et qui est toujours en 5e position, et, oui, et qui est menacé par Di Castro. Le Brésilien, oui. Dernier tour, hein. Dans le dernier tour, les positions sont quasiment figées maintenant. Cédric Convert, 29-12, le dernier tour. Cédric Convert a encore battu le record du tour en 29-128. Et Orsini très très tranquille, Orsini à l'image. Orsini assure une victoire méritée. Et on aura quand même deux Français sur le podium et quatre Français parmi les cinq premiers, malheureusement. C'est un Italien qui gagne. Massimiliano Orsini s'impose devant Laurent Delahaye, Arnaud Sarrazin est troisième. Et dans le dernier tour, Cédric Convert, 28-929, c'est le record absolu. Vous avez raison en disant qu'il allait descendre en dessous des 29. C'est fait. Il est content d'ailleurs, regardez Delahaye. Delahaye est content et Convert a fait un temps extraordinaire. 28-929. Le podium donc de cette course de CIK. Victoire de Orsini. Laurent Delahaye, le français, termine deuxième à 1,5 secondes, 1,6 secondes. Et Arnaud Sarrazin, le champion de France de Formule 1, termine troisième à 2,6 secondes. Quatrième, c'est encore un français, Cédric Converse. Cinquième, c'est encore un français, Christophe Vasseur. Sixième, Andrani Castro, le brésilien qui a gagné, qui est champion d'Amérique du Nord. Septième, Johnson Button, le champion d'Europe. Huitième, James Courtney, le champion du monde. 9e Guillaume Renaud, 10e Eric Salignon. Misejevic, Martinet, Florence, Fragas, Mercier, Garcia et Bernard qui ferment la marche. Regardez, c'était le début de course avec un Delahaye déchaîné. Et une bagarre assez extraordinaire en début de course. Il occupait à ce moment-là la 3e place. Et Albin Martinet qui touche les bordures là. Et Delahaye maintenant qui était en bagarre avec Vasseur pour la 2e place. Ça a été une bagarre très très chaude. Oui, vous voyez. Oui. Et Delahaye qui ne se fait pas de cadeau là avec Christophe Vasseur qui perd son spoiler sur l'action. C'est vrai que Vasseur a un petit peu bouchonné tout le paquet. Oui, il Vasseur a changé peut-être un peu la physionomie de la course. C'est un petit peu dommage. Il est aujourd'hui en fin de carrière et il se laisse un petit peu moins. Enfin, il a perdu un petit peu de son esprit sportif qui le caractérisait il y a 2-3 ans, je trouve. C'est dommage parce que on peut penser que Delahaye, s'il n'avait pas été bouchonné comme ça par Vasseur, aurait peut-être pu aller chercher Orsini. Je crois que Vasseur aujourd'hui voulait être premier français. Et ça, pour gagner une course comme ça, c'est un peu juste, à mon avis, comme démarche. Magnifique passe d'armes. Et Aymeric Mercier ici qui saute par-dessus Cédric Convert et qui fait les frais de cette action. En tout cas, ça ce sont des cartmen en activité et ce sont eux qui, depuis le début de la soirée, nous ont offert la course menée sur le plus grand rythme. Ça, vous avez expliqué pourquoi, Patrick, mais ce sont eux également qui nous ont offert la plus belle course au niveau des bagarres. Et oui, à Bercy, c'est quelque chose de particulièrement important pour ces jeunes Gartman. Et c'est la course de l'année pour eux. Alors là, la vie d'un jeune pilote de kart, Patrick, comme le sont tous ces jeunes Français, c'est combien de courses par an, par exemple? Ben, un garçon comme Laurent Delahaye, qui a l'image, est maintenant pilote professionnel. Et il fait une douzaine, une quinzaine de courses par an. Les 4 manches du championnat d'Europe, le championnat du monde. L'an prochain, les 3 manches du championnat de France. Plus quelques courses comme le Japon, les États-Unis, c'est une douzaine de courses. Voilà Massimiliano Orsini. Voilà ce podium.
avec Orsini, le vainqueur. Écoutez, c'est une fête extraordinaire. Le kart à Paris, c'est vraiment une fête extraordinaire. Je suis évidemment content d'être là, mais si vous saviez surtout comment je suis content d'avoir gagné. Massimiliano Orsini, vainqueur. Voilà, alors que on nous présente, Jean-Louis Machu nous présente des vues générales de cette salle magnifique de Bercy, archi-pleine, et que Richard Micou, notre confrère speaker ce soir ici à Bercy, est en train d'interviewer les trois premiers, et en l'occurrence il interviewe Varno Sarrazin. Et bien je vous propose de parler d'une une épreuve qui n'est pas une épreuve, qui est une épreuve de sélection, disons, qui a eu lieu cette année pour la première fois à l'initiative de la Fédération Française du Sport Automobile et en concertation avec la Fédération de Karting. Il s'agit d'une opération qui s'appelle Kart Jeune. L'idée de départ était de faire un petit peu en karting ce qui existait déjà en sport automobile avec les volants des pétroliers notamment, et ce qui existait déjà en rallye avec l'opération Rallye Jeune, c'était de faire une sélection de novices, et les meilleurs gagnaient la possibilité de courir en karting durant cette année 97. Ça s'appelait l'opération Kart Jeune. On va voir ça tout de suite avec Laurent Coel. Ces cartes appartiennent désormais aux lauréats de l'opération Formule Kart, opération lancée en février au salon de la compétition. Après les sélections régionales, les meilleurs des participants ont disputé l'une des six finales et des 10 000 jeunes qui ont tenté leur chance, les 12 meilleurs ont été sélectionnés. Lors de la cérémonie de remise des prix, on retrouvait des grands noms du sport auto comme Patrick Tambay ou Philippe Streff, accompagnés de jeunes talents de la filière Alpes. À leur côté également Jean-Christophe Bouillon, quand lui évolue en kart, cette filière n'existait pas. C'est vraiment une promotion pour un jeune pilote. Ça l'aide beaucoup à débuter. Je pense que ça lui donne une première marche pour entrer en sport automobile. Et il faut que ce soit à lui de savoir en profiter surtout. Tout à fait par hasard, en regardant dans un journal comme ça, en plus même pas une semaine avant l'épreuve. Et tout est arrivé un peu rapidement, pour tout avouer. En fait, j'envisageais de faire du kart à plus ou moins longue échéance, et là, avoir un karting et un budget et pouvoir en faire sans bourse délier, en fait, et ben, c'est rêvé, quoi. C'est pouvoir m'y consacrer vraiment pleinement pendant un an, quoi. C'est vrai que le budget qu'on nous offre est important, apparemment, donc je pense que la saison va être bien attaquée et excellente, je pense. On a le karting, le budget, l'équipement, tout, c'est formidable. Eh bien, on va voir ce que ça donne en tant que pilote. Si ça marche, je continuerai. Et si ça marche pas trop, ben, j'aimerais bien travailler dans le milieu du sport automobile en tant qu'ingénieur. Après la remise des prix, ce sont les pros qui ont montré l'exemple sur la piste devant un public nombreux en raison du Grand Prix de France de Formule 1. Patrice Guay s'en est donné à cœur joie, lui qui fut un pilote de l'équipe de France de karting avant de passer à l'automobile. Pas à mon époque, il y avait différentes formules, mais pas aussi bien structurées que la fédération l'a fait là actuellement. Et je trouve ça formidable pour des jeunes de pouvoir mettre le pied dedans et d'avoir le premier pas, la fédération qui leur fasse faire le premier pas pour mettre un pied dans un kart et pourquoi pas découvrir de futurs talents français. Ensuite, ce fut au tour des jeunes lauréats de se mettre en évidence sur cette même piste de Magny-Cours. Avec ses cartes 4 temps, d'une puissance modérée, engin relativement facile à maîtriser, ils ont déjà démontré un superbe potentiel et ont aujourd'hui tout entre leurs mains pour réussir l'an prochain en compétition, à vérifier dès les premières courses. Patrice Guay était vraiment un interlocuteur de choix, puisque en tant que membre de l'équipe de France Espoir de circuit, eh bien, il y a 15 jours, en compagnie de Soël Ayari, eh bien, ces deux hommes ont fini premier et deuxième, Ayari premier et Patrice Guay deuxième, de l'épreuve internationale de Macao de Formule 3, devant tous les meilleurs pilotes de Formule 3 du monde. C'est dire qu'il y a vraiment des filières qui démarrent en ce moment, que ce soit en karting ou en sport automobile, et ça marche tout ça très bien en ce moment en France, Patrick. Tout à fait, la Fédération française de sport automobile donne une nouvelle impulsion
à sa politique envers les jeunes, et ça c'est très important, et on aide les jeunes, on fait connaître notre sport, on donne envie aux gens de le découvrir, et comme disait un des jeunes interviewés, ben, sans bourse délier va pouvoir s'adonner à sa passion, mais ça veut dire aussi que plein de jeunes ont essayé au travers de cette opération, essayer un kart, et on va en récupérer les fruits dans les 2-3 années au niveau de la masse des pratiquants, c'est évident. Et cette opération kart jeune sera évidemment reconduite l'an prochain. Oui, dans une formule un petit peu nouvelle, puisqu'elle s'adressera aux pilotes encore plus jeunes, en dessous de 15 ans, et on cherche vraiment les pilotes vraiment débutants pour les former dès le plus jeune âge. Voilà, maintenant on en arrive à la finale des célébrités. Ils sont 16 pilotes. On aura une première ligne avec Beppe Gabbiani, à côté duquel devrait se trouver Pierre-Henri Raphanel, c'est le cas. En deuxième ligne, Lammers et Surer. En troisième ligne, Capelli et Lafitte. Puis Kuhn et Alio, De Villota et Kigan. Et puis après, ceux qui se sont repêchés, à savoir Gachot, Gounon, Belmondo, Alboreto, Pescarolo, Merzario. Avant que ne débute cette finale, cette première finale de la soirée, finale des célébrités, une information qui vient de nous être communiquée, qui n'est pas à proprement parler de surprise, Jacques Villeneuve sera repêché et pourra tout à l'heure participer en tant que 17e pilote à la finale du Master. Pour l'instant, on est avec les célébrités, Patrick. Oui, on est avec les célébrités et on espère ce coup-ci sans aucun showbiz, mais pour le fun, une victoire française, ça serait sympathique. Pierre-Henri Raphanel est bien placé pour cela. Par contre, il est assez isolé puisque Gabbiani, Lammers, Surer et Capelli vont tout faire pour empêcher Pierre-Henri de vaincre. Alors on va voir ce qui va se passer. Il reste Jacques Lafitte en deuxième rideau, si je peux dire. En troisième ligne. Et Philippe Alliot juste derrière lui. Voici Pierre-Henri Raphanel à l'image, il a confiance. En fait, c'est lui qui s'élancera de la pole. Hein. Ça s'est fait au bénéfice du meilleur temps. Les deux hommes, Raphanel et Gabbiani, étaient dans deux séries différentes. Le meilleur temps ayant été signé par Pierre-Henri, c'est lui qui va s'élancer de la pole. Marc Surer, le Suisse, s'élancera de la deuxième ligne avec à ses côtés Yann Lammers, le Néerlandais. Et puis derrière, avec le numéro 26, c'est Jacques Lafitte. Vous le reconnaissez, il a toujours le même numéro, il a toujours le même casque. Et il a fêté ses 54 ans il y a très exactement 15 jours. Il découvre le karting sur le tard, mais apparemment il adore ça. Il n'y a pas 15 jours d'ailleurs, c'était il y a une semaine. Jacques Lafitte qui avec son neveu ont monté un commerce de cartes aussi. Et il véhicule des cartes sur les pistes, différentes pistes de France et notamment dans le cadre du trophée sur glace. C'est marrant, ça permet aux gens de découvrir le kart et la glisse. Jacques Lafitte qui a comme toujours la pêche. Alors les autres Français, il y a donc Alio en quatrième ligne. Après, nous avons Jean-Marc Gounon en sixième ligne, Paul Belmondo en septième ligne et Henri Pescarolo en huitième ligne. Oui, qui sont les repêchés, hein, Jean-Marc Gounon et Paul Belmondo. On peut attendre de ces pilotes une belle remontée, une belle prestation. Alors, que se passe-t-il sur cette ligne de départ? On voit Bertrand Biachot qui est debout à côté de son kart. Apparemment, son kart doit connaître un souci. On inverse les positions sur la grille. Voilà, et Gachot passe devant Merzario. Il y avait probablement une mauvaise interprétation des grilles de départ à la suite des repêchages. Bertrand Biachot se sentait lésé. Il a gagné quelques places sur la grille, vous voyez. On ne va tout de même pas assister à une manifestation des pilotes quand même ce soir. Philippe Alliot. C'est plutôt une manifestation de sympathie. Peter Kuhn qui est là. Sûrement très ému d'être au milieu de tous ces champions automobiles. Lui qui n'a jamais pratiqué le sport automobile. Marc Gounon. Assez loin sur la grille. Et vous vous souvenez qu'il avait eu un accrochage dans la première demi-finale. On est en train d'inverser toutes les positions sur la grille, j'ai l'impression. Et puis le numéro 40, c'était Emilio De Villota. Voilà, visiblement, les choses semblent rentrer dans l'ordre. Paul Belmondo. Voilà, c'est la première vraie finale de la soirée, puisque la course du CIK était une course isolée.
Attention au départ de Pierre-Henri Raffanel avec son casque orange et son numéro 39. C'est la meilleure chance française de s'imposer dans cette finale des célébrités. C'est parti et Raffanel est parti en tête. Raffanel, excellent départ de Surer derrière qui n'a pas réussi à prendre le meilleur sur Gabbiani. Excellent départ d'Alliot, j'ai l'impression également. Et je pense que Philippe Alliot, quatrième. Jean-Marc Goudin aussi. Je crois bien que Jean-Marc a fait un excellent départ. Il doit être 6 ou 7e. Raffanel en tête, Gabbiani, deuxième sur R, troisième. Philippe Alliot, quatrième avec le numéro 32. Attention à l'attaque d'Alliot. Il est passé devant sur R. Philippe Alliot, troisième. Voilà Philippe Alliot qui se détache tout de suite. Pierre-André Raffanel, Gabbiani, Alliot, sur R, la Merce, Goudin. Jean-Marc est déjà sixième. Alors qu'apparemment, il y a le kart de Villota, me semble-t-il, qui est immobilisé sur la trajectoire à un mauvais endroit. Et Raffanel essaye maintenant de se protéger des attaques incessantes de Pepe Gabbiani avec le numéro 28. Philippe Alliot est troisième, Marc Surer est quatrième, Jean-Marc Goudon est cinquième. Il a passé Yann Lamers, Jean-Marc. Il est très, très, très vite en ce début de course. Ivan Capelli qui s'est fait mal apparemment. Visiblement à une main, il se touche la main. Capelli s'est fait mal à la main. Alors qu'en ce début de course, c'est Philippe Alliot, le troisième en piste, qui est le plus rapide. Philippe Alliot. Et d'ailleurs, il est en train de revenir sur Gabbiani. Surer, et puis derrière Surer, là en revanche, il y a un petit trou et oui. On trouve Yann Lamers et Jacques Lafitte. Oui. Au 5 et 6e place. Et Jean-Marc Gounon a rétrogradé, il a perdu 2 places, il n'est que 7e maintenant. Oui, je ne sais pas ce qui lui est arrivé à Jean-Marc. Super de bagarre en tête. Alors que Ivan Capelli, on l'a vu là, fugitivement, s'est relevé. Ça a l'air d'aller mieux. Raffanel est en train de creuser un tout petit écart sur Gabbiani. Oui, assorti du meilleur tour en course à ce moment de l'épreuve, au 3e tour. Attention à une attaque possible de Gounon sur la Meurthe. Lafitte. Lafitte qui vient de partir en tête à queue. Peter Kuhn l'a invité un peu tard. Raffanel se détache. Gabbiani a lieu au Führer. Moi, je pense que Philippe Alliot peut préparer une attaque sur Pepe Gabbiani. C'est à vérifier, mais Philippe Alliot a l'air particulièrement à l'aise. Le meilleur tour vient d'être signé par Jean-Marc Goudon. Vous le voyez, 3641. Oui. Et attention, oui, il faut que Alliot porte son attaque. Parce que Marc Surer va... Parce que Surer est menaçant derrière. Derrière, oui. Très belle bagarre à 3 là entre Gabbiani, Alliot et Surer pour le gain de la seconde place. Pierre-Henri Raffanel a l'air assez tranquille devant, si on peut s'exprimer ainsi. Il a une seconde d'avance. Attention, oh là là, accrochage entre Alliot et Surer. Et Lamers a été impliqué dedans bien malgré lui, le pauvre néerlandais. Surer, j'ai l'impression qu'il s'est arrêté, mais par partie. Et Goudon se retrouve maintenant en quatrième position. Oui, Jean-Marc Goudon qui est toujours le plus rapide en piste. Va-t-il pouvoir accrocher le podium? Et maintenant, Alliot va avoir bien du mal à revenir sur Gabbiani. Lui qui était très, très... Oh là là, oh là, là. Son kart a un problème. Hein. Et je pense qu'il a retouché Philippe. Il est un petit peu déconcentré après cet épisode un peu houleux. Et on voit Marc Surer là-bas qui ramasse son kart. Tout ça fait le jeu en tout cas de Raffanel. Raffanel, Gabbiani, Alliot, Goudon. Jean-Marc est à une seconde piste actuellement, il fait tous les efforts possibles. Peter Kohn est 5e, Paul Belmondo 6e, les autres Français, Jacques Lafitte est 8e après avoir fait un tête à queue. Et puis, c'est tout. Et pour l'instant, eh bien, c'est un bon, très bon résultat d'ensemble des Français avec Jean-Marc Goudon qui vient encore d'abaisser le meilleur tour en course. Écoutez, je ne pense pas que ça soit alarmant, mais Pepe Gabbiani a grignoté, il a maintenant Raffanel. 8 dixièmes. Oui, mais Raffanel vient de signer le record du tour, là, en 34,90. Et c'est vrai que visuellement, Gabbiani est en train de se rapprocher de Raffanel, vous avez raison Patrick. Il a gagné 2 petits dixièmes, mais c'est vrai que Raffanel est très rapide. En tout cas, la victoire va se jouer entre ces deux hommes. Philippe Alliot est trop loin maintenant pour pouvoir tenter quoi que ce soit. Il va devoir se méfier de Goudon, d'ailleurs, Alliot. Qui est un... Regardez-vous,
pas, à mon avis, chercher Pierre-Henri Raffanel. Non, il reste 3 tours. Par contre, Jean-Marc Gounon va aller chercher Philippe Alliot. C'est pratiquement certain que Gounon va tenter quelque chose sur Alliot pour la troisième marche du podium, hein, quand même. Et d'autant que Philippe commence à fermer un petit peu les trajectoires. C'est pas flagrant, mais ça commence. Et Jean-Marc qui relance la mécanique, vous voyez. Mais Philippe tient bon. Ah, il réussit à se donner un tout petit peu d'air, mais enfin ça peut aller très vite. Là, Gounon est tout prêt par contre. Oui, attention au freinage. Un petit réglage de carburateur, non, voilà. C'est pas pour tout de suite. On rentre dans le dernier tour. C'est maintenant ou jamais pour Jean-Marc. Alors là, on suit cette bagarre car effectivement, c'est la plus intéressante. Devant, on vous dit que Pierre-Henri Raffanel a course gagnée et Pepe Gabbiani a la deuxième place assurée. Les voici, vous voyez. Premier Raffanel, deuxième Gabbiani. Ça ne changera pas. Il ne reste quelques dizaines de mètres avant l'arrivée de cette finale des célébrités. Voilà. La victoire pour Pierre-Henri Raffanel, deuxième Gabbiani et Gounon n'est pas réussi à passer. Gounon n'a pas réussi à passer à Alliot. C'est Philippe Alliot qui termine troisième. Et une bien belle victoire de Pierre-Henri Raffanel, l'homme le plus rapide en piste. Pierre-Henri a mérité cette victoire, il l'a sorti du meilleur tour. Très très beau. Pierre-Henri qui est très content, je pense. Ah, il a l'air content. Hein. Les félicitations de David Terrien. Voilà, c'était la pesée. Pierre-Henri ne pose aucun problème à ce niveau-là, puisque c'est un pilote d'un fort gabarit. Il est sans problème au poids minimum. La suite du classement avec Bertrand Biachot 7e, Jacques Lafitte 8e, Michele Adorito 9e, Rupert Kigam 10e, Arturo Merzario 11e, Henri Pescarolo 12e, Marc Turer. Oui, Eric. Oui, Nicolas. Oui, aux côtés de Pierre-Henri Raffanel. Alors, victoire en demi-finale et belle victoire en finale. Cette première journée du karting 97 à Bercy s'annonce super pour vous. Ouais, je crois que c'est extraordinaire parce que j'étais venu ce matin vraiment avec des espoirs moyens. Bon, j'étais moyennement motivé. Puis en fait, dès qu'on est dans le kart, on se rend au jeu. La journée s'est bien passée. J'ai eu des superbes réglages. J'ai le même mécanicien que l'année dernière ici. Et je crois qu'on a fait un super boulot, on a progressé toute la journée. Tout s'est bien passé et cette année je gagne, alors que l'année dernière, à la dernière course, j'avais fini deuxième. Je crois que je progresse, donc j'ai encore une marge de progression peut-être pour le futur. Merci, en tout cas félicitations pour votre victoire. On va se quitter quelques instants avant la finale qui va opposer les pilotes de Formule 1 et comme vous le disiez, Jacques Villeneuve, donc, qui a été repêché. Nous allons retrouver un ancien pilote de Formule 1 également présent ce soir qui sera dans cette finale. C'est Emmanuel Collard qui a rencontré Laurent Coel. Champion du monde de kart en 88, Emmanuel Collard n'a sans doute pas connu une carrière à la hauteur de son talent. Pourtant, on a bien cru que 97 allait être l'année Collard. Après le dramatique accident d'Olivier Panis au Grand Prix du Canada, c'est lui qu'Alain Prost choisit avec Arnaud Trulli pour tester la voiture et prendre le poste de pilote intérimaire. Et même si Prost choisit l'italien, il insista bien sur l'excellente performance d'Emmanuel, de quoi regonfler un moral qui commençait à baisser. Je suis réconforté niveau performance, je sais que j'ai rien envie à personne, puisque j'étais dans le même temps que Arnaud Trulli. Simplement, ce qu'il faut, c'est faut me donner la possibilité de pouvoir rouler un peu plus souvent, d'avoir un minimum d'expérience, et puis d'avoir la possibilité un jour de faire un Grand Prix. Contrairement à Trulli, pilote essayeur chez Benetton, alors que lui courait en GT et donc dans une catégorie automobile différente, Emmanuel Collard a souffert physiquement et c'est peut-être ce qui a joué pour Prost au moment du choix final. Pour 1998, le Français ne commettra pas la même erreur, il met toutes les chances de son côté pour être prêt à saisir une nouvelle opportunité en F1. J'essaie d'avoir un programme, donc je vais sûrement refaire du GT l'année prochaine dans une usine. Et puis à côté de ça, je vais sûrement faire des essais en Formule 1 donc, et essayer de rouler le plus régulièrement possible,
de manière à ce que s'il y a une possibilité, je sois prêt et puis ces petits problèmes quoi. Bercy est donc un rendez-vous important pour lui. Tous les ans au POPB, il est l'un des chouchous du public, même s'il y a quelques années, il avait commis le crime de lèse-majesté en doublant Alain Prost après un dernier virage époustouflant. 1997 devrait être encore un bon coup pour un Manu toujours très performant dans l'arène parisienne. On y va pour s'amuser, mais on y va aussi pour faire un résultat, puisque c'est quand même une épreuve assez importante. Il y a les médias, la télé, donc il faut être devant. Oui, au niveau des entraînements, moi je m'entraîne régulièrement dans la saison, donc c'est pas trop un problème pour moi. C'est sûr qu'un mois avant à Bercy, on s'entraîne un peu plus souvent, mais sans plus. On attend donc avec impatience la performance d'un Emmanuel Collard très affûté qu'on guettera sur le podium. Oui, aux côtés de Jacques Lafitte. Alors Jacques, toujours autant de plaisir ici à Bercy, même si cette finale s'est pas trop bien passée pour vous. Non, elle s'est bien passée dans le sens que j'étais pas mal placé sur la grille. Alio m'a un peu débordé très élégamment. Et après, ça m'a fait perdre un peu de place. Et après, j'ai encore perdu la place en faisant un tête à queue dans l'épingle, en essayant de revenir. Bon, non, mais je me suis vraiment amusé. Bonne ambiance. Oui, je suis ravi. Alors on va suivre dans quelques instants la finale. En attendant, nous parlons tout au long de cette soirée du succès du kart en France, concrétisé par cette grande soirée de Bercy. Et Corinne Tongchai a été sur un nouveau parcours en région parisienne, c'est à Thiers, si vous avez envie de pratiquer le karting le week-end. Voilà, un nouveau parcours. Après le succès du circuit karting Porte de la Villette, un petit frère a vu le jour dans le sud parisien à Tillet, tout près d'Orly. L'heureux papa propriétaire, René Arnoux, a aménagé avec toute son équipe près de 6000 m2, entièrement acquis à la cause du kart. On a fait la plus grande piste d'Europe de karting et indoor, qui fait 560 mètres. On tourne en 40 secondes, on a le tableau d'affichage. Donc c'est vrai qu'on a après une imprimante qui sort les temps autour de chacun avec le meilleur temps encadré, les temps de la session et les 30 meilleurs temps de la journée. Donc ça, c'est important parce que moi, je le place sur mon côté professionnel, c'est-à-dire que nous, en F1, puisque bon, je suis arrivé au niveau de la F1, dès qu'on sort de la voiture, on veut avoir nos temps par rapport à nos adversaires. Et là, c'est par rapport à leurs amis, leurs copains. Et donc, c'est vrai que c'est une carotte un peu. Les accros de la vitesse ont à leur disposition 40 cartes, des casques et des combinaisons. Des commissaires de piste se chargent de faire respecter les consignes de base et de vous sortir des mauvaises passes. René Arnoux prend parfois le stylo pour griffonner les courbes du circuit. Et quand il signe le tracé, il y a de fortes chances pour qu'il corresponde à son tempérament. Et là, ça décoiffe. Tous les 3 mois, on change complètement la piste. C'est-à-dire que les gens qui vraiment viennent chez nous régulièrement et tout, au bout d'un moment, ils ont quand même raboté pas mal de pneus. La piste, il commence à être un peu blasé de cette piste-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on change complètement le tracé. On réadapte une piste soit plus rapide, soit plus lente, avec, il faut faire bien entendu des variantes, en gardant un réel plaisir de conduite. Point fort de Kartine, la carte membre. Elle permet au fondu de ces petits bolides d'avoir accès aux deux sites. Le nord à quelques mètres du domicile par exemple, le sud pour un moment de détente après le travail. Les habitués cherchent la performance à tout prix, les autres tâtonnent. René Arnoux, lui, reste à l'affût de jeunes talents quand il n'est pas sur la piste. Quand je vois des jeunes qui vraiment ont du talent, parce que du bar panoramique on les voit, et on voit aussi par le tableau d'affichage les temps qui sont autour, donc à ce moment-là, moi je leur dis, écoutez, moi, je veux bien continuer à raboter du pneu chez nous, ça me fait plaisir, mais j'essaye de les orienter parce que je me place toujours dans la situation où j'étais. C'est-à-dire que moi, j'ai fait du kart, et puis à un moment où je voulais passer à quelque chose de supérieur, alors soit ils font du kart outdoor avec des pistes plus longues et des deux temps, en rentrant vraiment dans le système compétition kart, soit à ce moment-là, s'ils veulent faire une école de pivotage, soit de monoplace, soit de rallye, à ce moment-là, j'essaye de les orienter dans la direction qu'ils ont choisie. Comité d'entreprise, séminaire, soirée d'anniversaire, karting est ouvert à toute proposition. Alors si vous en avez assez des soirées bowling ou des soirées ciné, optez pour le kart. Même les plus réticents s'y laissent prendre. Si, je vous assure. Retour au Palais Omnisports de Paris-Bercy. On se prépare à vivre le moment le plus important de la soirée. Patrick Damary avec la finale du Master.
tous les meilleurs pilotes du plus haut niveau du sport automobile vont participer à cette finale. Oui, Nicolas, aux côtés de Jean-Marc Gounon, un petit peu déçu sur le bord de la piste pour cette finale célébrité. Quatrième place, c'est la plus mauvaise, disons. Oui, c'est la plus mauvaise, mais elle est dans un contexte où je partais 16e sur la grille. C'était difficile de revenir, il y avait seulement 12 tours. Je finis dans le pare-choc arrière de Philippe et c'est vrai qu'il y aurait eu un tour de plus, c'était bon, quoi, c'était podium. Mais bon, malgré tout, je me suis régalé parce que j'ai doublé beaucoup de pilotes et j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce final. Voilà le plaisir et je crois que vous allez en avoir également pour suivre cette grande finale. Et comme vous le disiez, Eric, avec donc les meilleurs pilotes de Formule 1, quelques anciens champions du monde de kart également, ainsi que le champion du monde de Formule 1, Jacques Villeneuve, donc repêché pour cette grande finale qui est en train de démarrer dans un Bercy surchauffé. Et avec un petit Français très isolé au milieu de pilotes étrangers, puisque on aura sur la première ligne deux pilotes italiens, Vincenzo Sospiri et Alessandro Zanardi. En deuxième ligne, on aura notre Français, David Terrien, qui aura à ses côtés Mika Salo. Et puis derrière, on trouve le Portugais Pedro Lamy et l'Italien Luca Badoer. C'est-à-dire que sur les trois premières lignes, les six premières places de la grille, eh bien, Patrick, il y a un seul Français, voilà. David Terrien. Et il faut descendre une ligne plus loin pour trouver à côté de Johnny Herbert, Emmanuel Terrico. Sur la ligne suivante, ça sera Emmanuel Epiro et Franck Lagorre. Puis Emmanuel Collard, le premier repêché avec Gabriel Tarquini, Fontana, Vasseur, Ravier et notre ami Jacques Villeneuve, donc repêché in extremis. Voilà, on l'a vu quitter les stands apparemment avec une machine neuve, puisque celle qu'il avait tout à l'heure a dû être un petit peu endommagée. Jacques Villeneuve n'a pas pu repartir avec, on l'a vu qu'il avait l'air de tester un petit peu la dureté des pédales, de la pédale de frein, normalement notamment la course de la pédale de frein au moment où il sortait des stands. Alors il part derrière tout le monde et en plus avec un kart avec lequel il n'a pas encore roulé, c'est pas les conditions idéales, mais alors, un drapeau rouge vient d'être passé sur la piste. Alors à cause de ce spirit, vous voyez apparemment un problème. Non, ce n'est pas ce spirit qui a un problème, c'est le numéro 16. Pardonnez-moi, nous sommes en train de le chercher. Il n'y avait pas de numéro 16 tout à l'heure. Donc, c'est peut-être là le problème. Voilà, c'est là qu'il y a un problème, à mon avis, de numérotation des cartes. Puisque Sospiri, lui, avec son numéro 12, est bel et bien sur la grille de départ en pole position. Vous voyez que Jacques Villeneuve teste la course de sa pédale de frein. Je vous rappelle qu'il y a deux pédales, vous le savez bien sûr, sur ces cartes. À droite, c'est l'accélérateur, à gauche, c'est le frein. Et apparemment, Jacques a un souci avec la course de sa pédale de frein. Peut-être qu'il trouve qu'elle s'enfonce trop. Oui, un kart se dirige aussi autant avec les pieds qu'avec les mains. C'est-à-dire que le frein ne sert pas simplement à ralentir l'engin, mais il sert à le placer à l'entrée du virage. Et il sert aussi à maîtriser la dérive. Parce que vous avez vu, avec ces gommes relativement dures, les pilotes prennent de belles dérives. Et on conduit au frein en kart. Le frein est un accessoire très important. La grille de départ qui va se présenter sous vos yeux, la grille de départ de la dernière épreuve de cette soirée, de cette première soirée de Bercy, Sospiri Zanardi, Terrien Salo, Lamy et Badoer, Clerico Herbert, Piro, Franck Lagorce en cinquième ligne, Emmanuel Collard en sixième ligne et Carcouini, puis Fontana Vasseur, Guillaume Gomez enfin qui partira de la dernière ligne. Guillaume Gomez, pilote français qui cette année n'a pas pu trouver les budgets nécessaires pour courir après avoir disputé plusieurs saisons en Formule 3000. Place Villeneuve au fond de la grille de départ. Emmanuel Piro qui nous fait un petit signe amical. On sent que l'ambiance monte alors qu'on approche de cette grande finale. Le ton monte. C'est le bouquet final de la soirée. Évacuation de la piste. Bientôt le panneau 15 secondes va être brandi. Alors sur la gauche de votre écran, ce sera donc Sospiri. Et sur la droite, ce sera Alessandro Zanardi.
Sospiri, voilà, avec son numéro 12. Et derrière lui, avec le numéro 18, c'est David Terrien qui s'élance donc de la deuxième ligne. Et on va attentivement surveiller la prestation de David Terrien. Oui, David Terrien qui va partir à l'intérieur de la seconde ligne et qui a une belle carte à jouer face à Sospiri et Zanardi. Deux pilotes qui se connaissent bien, qui ont couru l'un contre l'autre en karting, qui se sont même accrochés. C'est parti et bon départ de Villeneuve, on l'a vu. Et excellent départ de Sospiri. C'était lancé en tête devant Zanardi, Terrien et troisième. Emmanuel Kohler n'a pas pu passer le premier virage. Et c'est Herbert qui est quatrième. Sospiri, Zanardi, Terrien, Herbert. Voilà pour l'instant les positions. Derrière c'est Mika Salo et derrière Emmanuel Clérigo. Oh là là, il part à la faute Sospiri. Et Zanardi est passé en tête. Grosse faute de Sospiri. Oui, Sospiri qui a fait des trop tard. Oh, il repasse. Oh, c'est magnifique. Et Terrien en a profité. Non, il est toujours troisième, David Terrien. Il n'a pas y profité de cette bagarre entre Sospiri et Zanardi. Oui, la dernière fois que Sospiri et Zanardi se sont accrochés en quart, Michael Schumacher est devenu champion d'Europe. Alors David Terrien dans ce rôle-là aujourd'hui a une belle carte à jouer entre ces deux pilotes italiens. Et Herbert qui est attaqué par Salo derrière pour la quatrième place. Et Clérigo qui suit le rythme de Herbert et de Salo. Je pense que David Terrien doit placer une attaque rapidement parce que Sospiri commence à creuser un petit peu. Il faut pas qu'il se laisse bouchonner par Zanardi, David. Bon, bouchonner est un bien grand mot, hein, parce que Zanardi n'amuse pas le terrain, visiblement. Oui. Et les trois hommes sont un peu plus rapides que Pedro Lamy. Mika Salo et Emmanuel Clérigo juste derrière. Ah, les positions sont bien définies entre les trois premiers. Il n'y a pas de réelle possibilité d'attaque, ni de Zanardi sur Sospiri, ni de Terrien sur Zanardi. En revanche, derrière, c'est vrai que Lamy est sous la menace directe de Mika Salo pour la quatrième place. Oui. Sospiri qui vient de faire un excellent 29-821. Alors, on sait que tout à l'heure, il y avait un temps de 28-9 qui avait été signé. Oui, ce sera, à mon avis, difficile d'égaler. Jacques Villeneuve est au milieu du peloton avec plusieurs pilotes derrière lui. Jimmy Vasseur, Gabriel Etardoni, il est pour l'instant 13e, Jacques Villeneuve. Il a gagné quelques places, il avait pris un très bon départ. Et il est en train de revenir sur Piro et Gomez. Il revient même assez fort sur Piro. Il a très certainement porté une attaque sur Emmanuel Piro. Emmanuel Piro qui, depuis de nombreuses années maintenant, court dans les championnats de tourisme en Berlin. Villeneuve n'a pas pu vraiment porter une attaque pour l'instant. Jean-Christophe Ravier occupe la 10e place, Franck Lagorce la 8e, Emmanuel Clérigo la 6e et David Terrien, meilleur français, la 3e. Oh là là, il a touché un petit peu les pneus là, Piro. Alors une petite information, Alessandro Zanardi vient de fixer le meilleur tour en course et se rapproche de Sospiri en tête de la course. Villeneuve alors n'arrive pas à passer Piro et derrière ça permet à Vasseur de revenir sur lui. Voilà, Jacques Villeneuve qui fait tout ce qu'il peut tout de suite. Cinq tours de l'arrivée, oui, Sospiri est en tête, Zanardi est deuxième, Zanardi à trois dixièmes de seconde, regardez. Il a recollé, Sandro Zanardi a rattrapé Sospiri. Ça va être très chaud cette fin de course, Terrien est un petit peu décroché maintenant, il est à une seconde et demie. Et attention à une possible, une probable attaque de Zanardi sur Sospiri. Et Zanardi qui a encore amélioré son meilleur tour en course. Ah, il fait le forcing, Alexandro, là. Il est vraiment... Il est vraiment survolté. Ça va être très dur pour Sospiri. Et
Et j'ai bien peur que Sospiri ne parvienne pas à finir. Ah là, il est sur la... Il a bien fermé l'intérieur de la trajectoire, Sospiri. Beaucoup de métier. Ah oui, oui, c'était un excellent pilote de kart, Vincenzo Sospiri, qui a succédé à Stefano Modena, qui lui-même a succédé à Ayrton Senna dans une célèbre usine italienne. Et le quatrième petit prodige de cette lignée est Massimiliano Orsini, que nous avons vu tout à l'heure gagner en course Leica. Mika Salo vient de battre le record du tour, il est quatrième. Et il se rapproche dangereusement de David Perrien pour le podium. Ça va être difficile quand même, j'ai l'impression, parce qu'il est quand même à presque une seconde de Perrien. Il reste deux tours seulement. Et on retrouve la tête de la course. Alors est-ce que Zanardi, il a retardé son freinage au maximum, Sospiri. Il conduit à la perfection. Zanardi est plus rapide que lui. Et Sospiri n'offre aucune possibilité de passage à son compatriote. Alors qu'ils viennent de rentrer dans le dernier tour, Sospiri tient bien. Est-ce que Alessandro Zanardi va tenter le tout pour le coup? Ça n'est pas impossible. Dans les coursives, il y a un freinage au bout d'une ligne droite. C'est là peut-être. Je pense qu'il va essayer. Et oui, il a essayé et il est passé. Il est passé Alessandro Zanardi à l'endroit où on pressentait qu'il aurait la possibilité de le faire. Et Alessandro Zanardi remporte cette première soirée du Master de Bercy. Victoire de Zanardi devant Sospiri. David Perrien est troisième. Mika Salo quatrième. Pedro Lamy est cinquième. Les autres Français, Emmanuel Clerico est sixième. Franck Lagorre, huitième. Jean-Christophe Ravier, dixième. Guillaume Gomez, onzième. Jacques Villeneuve termine 12e devant Piro Vasseur, Tarquini et Luca Badoer. Un geste amical entre Zanardi et Sospiri. Et ça, c'est quand même un très très beau vainqueur pour cette première soirée. Alors on va quand même rappeler qui est Alessandro Zanardi. D'abord, c'est le champion kart 1997. Il s'est imposé cette année dans le championnat américain face à tous les pilotes américains et au sein d'une équipe, le Chip Ganassi Racing, qui a réussi à remporter la première place grâce à Zanardi et la troisième place du championnat grâce à Jimmy Vasseur. Oui, aux côtés d'Alessandro Zanardi pour cette première soirée. Super victoire, dépassement à l'ultime virage de cette finale. Belle course, bravo. C'était comme Laguna Seca 96. Non, c'était une course fantastique avec mon old and vieux ami qui est Vincenzo Sospiri et je suis très heureux que j'ai gagné. Bravo, félicitations Alessandro Zanardi pour cette victoire. Alors on va rappeler, puisqu'il en a parlé, ce qui s'était passé à Laguna Seca en 1996. C'était la dernière épreuve, très beau dépassement de Zanardi sur Sospiri, c'était la dernière épreuve du championnat kart. Jimmy Vasseur était déjà titré et pour terminer deuxième du championnat, eh bien Zanardi devait absolument gagner cette course. Et dans le dernier tour, dans ce virage fameux connu mondialement qui s'appelle le tire-bouchon, le corkscrew, eh bien Zanardi avait fait un dépassement d'anthologie sur Brian Herta. Et c'est ce dépassement auquel il vient de faire allusion. Voilà pour la petite histoire, alors que l'on revoit cette bagarre qui a duré vraiment jusqu'au dernier tour. On a l'impression, Patrick, que Zanardi a mûri son attaque contre Sospiri, qui savait l'endroit où il la porterait, qui savait le moment où il la porterait. Oui, Nicolas. Eric ? Oui, Nicolas. Oui, aux côtés de Franck Lagorre. Franck, 7e place sur une finale extrêmement disputée où tout se joue vraiment à peu de choses. Ouais, ça se joue à très peu de choses parce que les temps sont vraiment très serrés. Mais en fait, c'est un super spectacle pour Paris-Bercy, mais aussi pour nous parce qu'on se régale vraiment. Vraiment, on se régale. Le plaisir de courir, ça a encore été le maître mot ce soir pour tout le monde. Oui, le mot secret, je dirais, c'est la sportivité. À partir du moment où tout le monde a les mêmes moteurs, les mêmes châssis et qu'on a tous envie de faire un beau spectacle, qu'il n'y a pas de coup fourré, je pense que tout le monde peut vraiment se faire plaisir. Et en tout cas, c'est ce qui me concerne ce soir, je me suis vraiment régalé. Merci à vous, Franck, et bonne fin de soirée, bonne chance pour demain. Je crois que messieurs Éric Gendry, nous allons nous quitter sur ces quelques images du vainqueur, Alessandro Zanardi, un grand champion pour
le palmarès de cette première soirée de l'édition 1997 du Master de Kart Indoor avec Jacques Villeneuve qui n'aura pas démérité non plus. En tout cas, c'était bien de sa part d'être venu ici à Bercy pour s'amuser. Je crois qu'il s'est bien amusé, même s'il n'a pas pu rivaliser avec les meilleurs. Mais c'est vrai que, comme nous l'avons rappelé tout au long de cette soirée, Eric, il ne vient pas du milieu du kart. Il n'a pas débuté en kart. C'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'il y avait deux cas de figure idéaux ce soir, qui étaient soit la victoire de Jacques Villeneuve, soit la victoire de Zanardi. C'est le deuxième cas qui a prévalu. Merci Patrick Damary, merci à tous de nous avoir suivis. Et sur cette image de Alessandro Zanardi, premier vainqueur, on se quitte et on se retrouvera bien sûr l'an prochain pour le karting de Bercy. Salut à tous.